Bien le bonjour YouTube, j'espère que tu vas bien, bienvenue pour cette nouvelle rediffusion de live, oui. Aujourd'hui, déjà enchanté de te rencontrer, je te souhaite une très bonne année. Nous sommes le 1er août 2022, il est 20h38 et c'est officiellement le seul moment où je pouvais dire cette phrase sans mentir. Nous allons donc jouer ce soir à Professeur Layton et le destin perdu et nous allons le terminer. Parce que, en fait, véritablement, on a terminé l'histoire du jeu, d'accord? On a tout fait, on a fait toutes les énigmes, mais maintenant, il reste le post-game, à savoir les défis du professeur, à savoir bah juste les énigmes les plus dures du jeu. Voilà, les 99 picarates, on va s'arracher le cerveau. Cerveau en éruption, gros cuit ce soir. Donc, coucou YouTube, comme ils te disent actuellement, ils sont gentils comme tout. Alors, si jamais tu regardes cette rediffusion le jour même où je l'ai sorti, voilà, bon, si ça t'intéresse, je te le signale. Voilà. Demain, ou plutôt ce soir, à l'heure où tu regardes la vidéo, on jouera à Xenoblade Chronicle 3. Mercredi, il y a un Pokémon présent qu'on regardera en live à 15h de l'après-midi. Par contre, le soir, je ne stream pas. Jeudi, je découvre les nouvelles maps sur Mario Kart 8. J'ai extrêmement hâte. Vendredi, je ne stream pas. Et alors, samedi et dimanche, enchaînement de speedrun sur Mario 64. Alors là, on va tout péter. Ça va être trop bien. Voilà YouTube, je te souhaite une très bonne rediffusion, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu passes de très bonnes vacances d'été et que tu n'as pas trop chaud, bois de l'eau, et fais attention à tes animaux de compagnie et à tes vieilles personnes aussi. Et voilà, je te fais des bisous et porte-toi bien et à la prochaine. Twitch maintenant, effectivement, clac, j'enlève la musique, clac, j'ajoute celle-là, on se met dans ce mode-là. Je précise, comme vous pouvez le voir en haut à gauche de votre écran, pas de spoil, s'il vous plaît. Spoil interdit. Même si vous êtes très intelligent et vous devinez automatiquement quelle est la réponse à l'énigme, ne la donnez pas dans le chat. Si vous connaissez déjà le jeu et que vous voulez m'embêter, ne m'embêtez pas, ne me donnez pas la réponse. De toute manière, je vais être focus sur le jeu, je vais pas regarder le chat, mais c'est histoire de respecter les autres viewers qui ont peut-être envie de réfléchir, mais qui, quand ils auront trouvé la réponse à l'énigme selon eux, ils ne la mettront pas dans le chat. Parce que pas de spoil. Et oui. Sauf au moment où je vous le demande. Parce qu'il y aura bien un moment où je vais craquer, je vais dire « Eh, je suis con ou quoi là? Je suis totalement stupide, j'ai pas de cerveau. Oh, donnez-moi la réponse. » Voilà. On est parti. Le rouge et le noir. Voyons voir comment vous allez résoudre cette énigme. J'ai peur. J'ai peur. 50 picarates, ouf, c'est déjà beaucoup. Hein. C'est des énigmes qui ressemblent à quoi? Oh, à des jeux de cartes. Très bien. Le paquet ci-dessous contient 52 cartes. Allez, je vous la lis pour vous, d'accord? On réfléchit ensemble. 26 cartes noires, 26 cartes rouges et absolument aucun joker. Pour l'instant, je suis complètement d'accord. Après avoir mélangé le paquet et coupé au hasard, on dénombre 23 cartes dans la pile de gauche. On dénombre 23 cartes dans la pile de gauche. Et donc forcément, dans la pile de droite, il y en a... Il y en a 29, c'est ça, pour arriver à 52? Ouais, c'est ça. Quelle est la différence entre... Alors, quelle est la différence entre le nombre de cartes rouges dans la pile de gauche et le nombre de cartes noires dans la pile de droite? Ouais, attendez, ça m'a l'air assez... à la fois compliqué, à la fois logique. Je sens qu'il y a une logique bête. À base de pile la moitié... Comment ils veulent que je réponde d'ailleurs? Ah non, quelle est la différence? La différence. Alors, je répète, on a un paquet de 52 cartes, il y a 26 noires, 26 rouges. Le paquet, on le mélange. Et potentiellement, voilà. Et à gauche, il y a 23 cartes. J'aimerais me noter le fait que ici, il y en a donc... 29. Ça peut avoir son importance. Il est très moche ce 9. Il est vraiment pas beau. Il est malade. Là il va un peu mieux. Quelle est la différence entre le nombre de cartes rouges dans la pile de gauche et le nombre de cartes noires? Alors sachant que c'est totalement aléatoire, hein, il peut potentiellement y avoir 23 cartes rouges à gauche comme... Il y a un minimum de cartes qui doit y avoir à gauche. Rouge. Attends, il y a juste un truc qui m'embête l'esprit. Laisse-moi juste vérifier. 29 plus 23, ça fait 52. Ok, je me sens un peu mieux. On nous dit qu'il y a
Oh, c'est une catastrophe pour écrire les numéros. Il y a 26 couleurs de chaque. Là, au maximum, quelle est la différence? Attends, mais tu sais que j'arrive pas à comprendre la question, ce qu'on me demande en fait. Quelle est la différence entre le nombre de cartes rouges dans la pile gauche et le nombre de cartes noires dans la pile de droite? Quelle est la différence? Mais quand tu dis différence, tu parles de soustraction? Ou juste une différence? Quelle est la différence? Et on me demande un nombre. Quoi? Je vais enlever ça parce qu'on dirait que j'ai écrit 126. À droite, il peut potentiellement y avoir les 26 cartes noires et 3 rouges. Et à gauche, les 23 rouges. Mais il peut aussi y avoir 23 noirs à gauche. C'est totalement impossible de le savoir, c'est du random. Vous pensez que c'est une soustraction, vous aussi, hein? C'est ça? On est d'accord? D'accord. Quelle est la différence entre le nombre de cartes rouges dans la pile de gauche et le nombre de cartes noires dans la pile de droite? Ben c'est que j'arrive pas à comprendre en fait ce qui m'est demandé. Mais je n'ai pas de cerveau, putain, con, j'arrive pas à réfléchir, je suis totalement stupide ou quoi là? Je prends un paquet, je le mélange, c'est fou de mélanger, je mets 23 cartes à gauche, 29 cartes à droite. Et là on me dit, à ton avis, quelle est la différence entre le nombre de cartes rouges à gauche et le nombre de cartes noires à droite, sachant que je peux pas savoir combien de rouges à gauche, combien de noirs à droite. La différence. Attends, ok, je crois qu'on peut comprendre. Les cartes rouges, si jamais il y avait les 23 ici, et que là, du coup, forcément, il y en a 3, la différence serait de 3. Si jamais il y a 22 cartes rouges ici, et donc une carte noire. Bah là, il y aurait 4 cartes rouges. Et la différence serait de 4. Mais la question, c'est quelle est la différence entre le nombre de cartes rouges et... Putain, mais... Attends, mais la différence entre les rouges et les noirs. Mais du coup, si on me demande la différence entre les rouges et les noirs, on me demande la différence entre l'entièreté du jeu, les 52 cartes. Et si on me demande la différence entre 52 cartes, entre 23 et 29, c'est juste 6, mais... La différence entre le nombre de cartes rouges dans la pile de gauche et le nombre de cartes noires dans la pile de droite. Alors je vais reprendre mon exemple du début. Là il y a 23 cartes rouges et ici il y a 26 noires et 3 rouges. La différence entre les rouges 23 et les noirs 26, elle est de 3. Imagine maintenant qu'il y a 22. Imagine qu'il y a ici 22 rouges et donc une noire. Ce qui fait que à côté il y a 25 noirs et il y avait les 3 du début, 4 rouges. Merde, mais j'ai pas compté les 3 rouges tout à l'heure. Attends, je recommence. Il y a 23 rouges ici, donc là, il y a 3 rouges et 26 noirs. Et la question, c'est quelle est la différence entre le nombre de cartes rouges dans la pile de gauche, 23, et le nombre de cartes noires à droite, 26. La réponse est 3. Si je prends cet exemple, 22 en rouge et 25 en noir, la réponse est aussi 3. Et j'imagine que ce sera toujours pareil. La différence entre les rouges de gauche. Et attends, et si jamais il y a 0? Si jamais là il y a 23 rouges, non pardon, 23 noirs et 0 rouge, forcément de ce côté il y a 26 rouges et 3 noirs. La différence entre 0 et 3, c'est 3. D'accord, bon, la réponse est 3. Et voilà ma réponse. Je crois que je suis allé très très loin pour pas grand chose en fait. Je suis rassurée. Ouais, je crois que je suis allé très très loin pour pas grand chose en fait.
C'était pas si compliqué. Je me fais frayeur parce que c'est les énigmes du professeur de la fin du jeu. Mais en fait, c'était pas si compliqué que ça. Celle-ci. Je m'attends au pire parce qu'elle était de 50. Après, on a 99 qui arrive. Gravité 3. Qu'est-ce que c'est que ça, Gravité 3? Merci Tsuki 151 qui arrive sub pour son 9e mois. 9 mois déjà. Alors, t'as écrit CV. Donc pour moi, CV, ça veut dire ça va. Mais après, t'as écrit vite. Ça va vite. Ah, bah oui, ça va vite. Boomer. Ça va vite. Encore. Ça va vite. Merci encore de nous faire rire. Tu le mets. Oh, c'était trop bien de te rencontrer à la Japan. Encore une fois, merci. Ben, c'est très gentil, merci beaucoup. 60 picarats, j'ai vu. Merci, Tsuki. C'est ton message est très très gentil, merci beaucoup. Oui, ça je connais. L'objectif de cette énigme est d'insérer les blocs colorés dans leur emplacement respectif. Ouais, d'accord. D'accord, allez. On va bien voir ce qui se passe. Alors, la blague va être que... Je vais me concentrer pour commencer sur le jaune. Et je vais essayer de le bloquer. Ouais, moi je considère qu'il est bloqué pour l'instant. Mais il risque de bouger plus tard. Le bleu va prendre exactement le même chemin. Ah oui. Mais ce qui va se passer, c'est que... Non, il double le jaune, donc pour l'instant, ça marche plutôt bien. Ok, le bleu, tu vas rester là. Maintenant, le rouge, je vais t'amener aussi là-bas. Toujours de la même manière, d'ailleurs. Comme ça. Le bleu, tu restes en place. Le jaune aussi, tu bouges pas plus que ça, ça me va. Attention, c'est là que tout... Ah, ça va se jouer très bien, puisque le rouge... Attends, comment je le fais tourner, là? Le rouge va passer sur le jaune. Ouais, ça me va. Oh, mais d'ailleurs, le jaune... Attends, comment je vais te le bloquer, moi, après? Pourquoi j'ai la sensation que le jaune ne pourra jamais sortir de là? Ouais, j'aimerais faire ça. Ouais, ouais, ouais. Ben voilà. Et voilà ma réponse. Ok. Et ben voilà. Encore une victoire pour l'apprenti du professeur. Ben voilà. Ça a l'air de plutôt bien se passer pour l'instant. GG, effectivement, GG, on peut le dire. Beau travail, merci. Je m'attendais à beaucoup plus difficile, mais ça va. Ça va, ça va, c'est bien. Et nous allons passer à pousser à bloc. Est-ce que ça va être une énigme à 99? Eh bien, on va voir ça tout de suite. 50. Bon. Ouh. Faites glisser le bloc A dans l'emplacement A. Faites de même pour les trois autres. B, C, D. Ah oui, c'est des lettres. Facile, non? Oh, une petite précision. Vous devez résoudre cette énigme en 13 déplacements. D'accord. Ça va être très... très, comment on dit... Le A... Attends. Le A, il va en face. Le B, il va en face. Le C, il va en face. Le D, il va en face. Donc ça va être très symétrique. Je pense que ça va être très symétrique. Alors déjà, moi, si je fais ça, je suis bloqué. Hein. Mais il faut bien qu'il y en ait un qui bouge. Attends, il me reste vraiment que deux mouvements à faire, là. Et je suis bloqué. Il effectue tout au déplacement. Oh, ok. J'avais bougé celui-là.
Je vois pas pourquoi partir dans l'autre sens. M'aiderait. Quelle perte de temps de faire ça, c'est affreux. Je viens de faire exactement la même chose. Et je me rebloque ici, hein, c'est tout pareil. Bon, il faut que je trouve un moyen de... Je sens qu'au début, c'est pas très propre. J'ai commencé par en sortir un. Et ça bloque. Ça serait peut-être plus intelligent de faire quelque chose comme ça. Je crois que j'ai gagné du temps, là, en faisant ça. Non. Le D, j'aurais pas dû le sortir, à mon avis. Oh, regarde. J'ai déjà gagné un mouvement de plus depuis tout à l'heure. Bon, il m'en aurait fallu deux de plus. Mais il y a un truc qui se passe. J'essaie de réfléchir. Bon, voilà. Le D, c'était pas très smart de le faire passer là. Ben non, c'est complètement con ce que j'ai fait. Non, c'est nul, hein. C'était nul, hein. Ah, je peux bouger que ça. Je peux bouger lui. Je peux bouger lui. Je peux bouger lui. Je peux bouger lui. Oh, ça sent bon, là. Ça sent très bon. Et voilà ma réponse. Allez, let's go, on n'est pas le meilleur, non? Allez, on a déjà fait un cinquième du jeu vidéo de ce soir, d'accord? Ça fait quoi? Ça fait 17 minutes que j'ai lancé la rediff. On a déjà fait 20% du post-game. GG, merci. C'est très gentil, merci beaucoup. Merci Sayori29 qui a resub pour son 8e mois. Merci beaucoup. Alors, énigme des hôtelières. Ouh, elles vont être méchantes, je le sens. Alors, déjà, on va voir le nombre de picarates. 50, bon. Enfin, je trouve que c'est beaucoup, 50, ça fait mal. Oh, ça a l'air bien. Oh, ça va me plaire, ça. Ces tampons 1, 2 et 3 sont en réalité des clés qui peuvent être combinées et insérées dans ces étranges serrures A... les serrures de A à G, pardon. Pour qu'un verrou s'ouvre... Un verrou s'ouvre, les 3 clés doivent être insérées en même temps dans une serrure. D'accord, oula putain, c'est la perspective. Je vais continuer à lire, mais je crois avoir compris qu'on le voit à l'envers, le truc. Attention, les clés sont représentées à titre d'exemple, elles ne sont pas à l'échelle. Oh, c'est très embêtant ça. Observez les serrures et cochez celles qui peuvent être ouvertes. Gardez à l'esprit qu'à cause du manche, les clés ne peuvent rentrer que dans la serrure que dans un sens. C'est ça, exactement, le chat perspective à fond là. Parce qu'en fait, regardez... C'est comme un tampon, tu vois, derrière, il y a le manche qui permet de le refaire rentrer. Donc en fait, il faut le regarder à l'envers. Bon, pour celle-là, ça posera pas de problème, pour celle-là non plus. Par contre, celle-là, faut bien se dire que cette jambe, elle part de l'autre côté. Et attends, et c'est quoi la question? C'est, il faut utiliser les trois, hein, ça aurait été des clés qui peuvent être combinées, mais elles peuvent pas être l'une sur l'autre. Elles peuvent être collées côte à côte, à côté, mais... Je sais pas, il n'y a pas 36 000. C'est bizarre. Le coup de c'est pas à l'échelle, ça me fait peur, ça. Hein. Les clés sont représentées à titre d'exemple, elles ne sont pas à l'échelle. Les 3 clés doivent être insérées en même temps dans une serrure. D'accord. Ok, ça va être énorme, cette histoire. Je vais me régaler. Oh, putain de merde. Bon. Ça pue. Elles sont pas à l'échelle. Ça fait peur, ça, elles sont pas à l'échelle. Comment je fais, moi? Mais j'ai l'impression que ça rentre nulle part. Il n'y en a aucune qui rentre nulle part. C'est quoi, cette histoire? Bah, attends, je vais commencer ici, là. Par exemple, celle-ci. Attends, mais ça... Non, il n'y en a aucune qui fonctionne. Ah si, attends.
Oh, attends, j'ai trouvé un truc. Non. J'ai pas trouvé de truc. Celle-là, la 3. Je regarde la D. La 3. Si je l'inverse, ça peut très bien faire cette forme-là. Mais après, ce petit truc en haut, je peux pas le recréer avec aucun des deux. Par contre, ça, si je le fais devenir tout petit, eh bien, ça va me faire la forme qu'il y a juste ici. Et du coup, j'ai cette grande forme à recréer avec ça. Et c'est chiant. Parce que le coup de... C'est pas à l'échelle, ça fait chier. Ah si, en fait, c'est pas mal. Ça, là, regarde. La 2. On va la mettre comme ça, là. Clac. 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 Hop, ça va jusqu'au milieu. Clac. Clac. Et le dernier morceau, eh ben, c'est un truc comme ça. C'est un losange. Eh ben, le losange, il peut rentrer. Donc, je considère que, observer les serrures, cocher celles qui peuvent être ouvertes. Oui, je considère que celle-là peut être ouverte pour l'instant. Il faut réfléchir de la sorte. On est tous d'accord? Ou alors je suis complètement fou. Et je dis n'importe quoi. Moi, je suis, pour l'instant, je suis plutôt d'accord avec moi. Ouais. Allez, on va prendre celle-là. Est-ce qu'elle ferait un côté sympa? Déjà, elle, toi, tu feras un côté sympa, par exemple, ici, là. Clac. Clac. C'est pas mal, ça, beau côté. Si je te tourne... Si je te mets de l'autre côté, oui. Tu vas arriver comme ça, clac. Ouais, ça va être nul. Ouais, non. Et c'est niqué, parce que non, c'est pas bien. C'est pas bien du tout, faudrait que tu prennes plus de place. Est-ce que ce losange... Si je le fais passer comme ça, ça m'a l'air un peu chaotique ça. Hein. D'accord, alors si lui je le fais prendre la moitié. Ce qui est possible, hein, d'accord. Est-ce que vous rentrez? Eh bien je pense que vous rentrez comme on l'a fait exactement tout à l'heure. À savoir comme ça. Et toi en petit, comme ça. Hop. Ok, moi je considère que ici ça fonctionne aussi. J'efface. Bon, celle-là me fait peur. Je vais la regarder. Bon, la logique voudrait que toi, tu te mettes... Je sais pas à quelle hauteur, mais comme ça, par exemple. Eh, hey, mais tu vas m'embêter parce que... Oh, tu m'embêtes pas du tout. Ah, c'est un peu... je triche un peu. J'ai l'impression que je suis en train de tricher un petit peu là sur ce que je fais. Non. Ça, non, ça pue. J'ai voulu placer celle-là. Non, ça marche pas. On voit bien que le pied est pas au même niveau là. Bon, je reviendrai sur toi un petit peu plus tard parce que je passe pas un bon moment avec toi là. Je veux pas te voir. Alors ici, on va mettre... Comme ça. Comme ça. Ah non, c'est nul. Attends. Il arrive là, mais il y en a encore un peu. Je dirais qu'il va vers là. Là, il y en a un ici, comme ça. Le losange, bah, il rentre parfaitement ici. Ah, il faut que je me mouche. Oh merde. J'ai le nez qui coule un peu. Et lui, il rentre. Regarde. Clac, 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 clac. Il rentre. Alors, je l'ai très mal dessiné, mais pour moi, il rentre. Là, c'est OK. Bon, je suis désolé, hein, je prends full temps sur chacun à chaque fois pour réfléchir. S'il faut, je suis en train de faire n'importe quoi, je suis en train de tricher. Le B, le D, le G, il n'y en a aucun qui rentre officiellement. Là. Là.
Attends, le tampon, si je le prends... Ah oui, parce que je les imagine à l'envers, les tampons, mais c'est pas grave, ça changerait en fait. Sauf pour ceux qui ont des formes bien précises. Le triangle est donc à gauche. Et le triangle est comme ça. Donc le triangle serait... Hop là. C'est vraiment catastrophique ce que j'ai dessiné, mais ça marcherait. Là, on mettrait en tout petit lui, là, ici. Et en haut, ça serait le losange, comme ça. Donc je considère que oui, c'est possible ici aussi. Putain, s'il faut, c'est possible partout et c'est un truc de fou. Elle me plaît, celle-là. Ouais, moi aussi, elle me plaît. Sauf qu'elle est un petit peu longue, j'ai peur de vous perdre, de vous ennuyer. Mais je la trouve vraiment stylée aussi. Bon, alors là, je commence à comprendre le losange, en gros... Il va prendre tout ça. Et là, on va essayer de caler. Comme on l'a déjà fait sûrement plusieurs fois. Hop, clac. Ah, mais non, le triangle, il est à l'envers. Je suis con. Le triangle, il est comme ça. Mais au pire, c'est pas très grave parce que je cale le mettre. Comme ça, le triangle. Ah, bah non, ça. C'est nul. Ah non. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Là, je mets le giga gros losange. Et là, ce qui me reste en place, juste assez pour placer... Tac, 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 tac. Celui-là. Donc pour moi, ça marche aussi ici. Je sens la blague arriver comme quoi ça marche partout. Hein. Celui-là, oh, il ressemble beaucoup à celui-là. Bah pareil, on va placer le... Ah! Oh, il m'embête. Attends. Il est à gauche. Oh, merde! Si je le mets comme ça, le triangle... ça pue, ça. Ah bah non! C'est n'importe quoi, ça coupe tout. Là, ça va pas, là. Par contre, si je le mets là-haut, je peux pas le mettre. Oula. Ou celui-là, là. Le seul moyen de le placer, ça serait là. Bah comme dans le dessin en fait. Oh putain, et ça rentre. Parce que... Ah mais oui, ça rentre parce que ici ça me fait le losange. Et ici ça me fait la forme comme ça. Bon, du coup, ça passe. J'y croyais pas celui-là. Hein. J'étais en train de me dire que c'est pas possible. Et donc, on arrive sur la théorie comme quoi tous fonctionnent en fait. Et donc celui-là. J'en ai aucune idée. Je peux pas le placer comme ça parce que le triangle irait à gauche. Alors, imaginons que je le place. Non. Si je le mets à l'envers comme ça là. Non, mais c'est pourri. Est-ce que j'arrive à bien l'imaginer? Il viendrait là, il viendrait là. Non, je le fais trop mal. J'arrive pas à voir la perspective, mais je pense pas que c'est là qu'il se met. Bon, on va dessiner les petits triangles, ça sera peut-être plus simple pour moi. Non. Ok. Mais ça rentre pas du tout, hein, pour moi, là. Parce que là, après, ça part comme ça, là. Mais ça dépasse de ouf, hein. Puisque, regarde.
Là. Là, ouais, ça dépasse. Attends, je viens d'avoir une idée. Et si je le plaçais? Attends, mais ça va faire quoi là? Je suis perdu. C'est pas ça la forme. Attends, sa forme là. Déjà, sa forme, c'est difficile à imaginer. Elle fait un triangle. Oh, c'est complètement con là, je rentre pas les deux. J'ai beaucoup de mal là sur celle-ci. Bon, je vais changer d'objet, imaginons que lui je le prenne. Clac. Non, il peut pas dépasser le losange. Lui je le prends. Clac. Je mets comme ça. Clac. Un losange se met là. Mais là c'est niqué. Ah, je commence à penser que celui-là on peut pas le faire. Hein. J'aurais tendance à dire que moi, celui-là, je le ferai pas. Vérifions ça tout de suite. Ah. Il va falloir trouver autre chose. N'oubliez pas que vous pouvez faire pivoter les clés. Vous ne pouvez les insérer que dans un sens. Alors, moi, je suis persuadé, vraiment persuadé, que tous les autres fonctionnent. Pour moi, c'est une évidence. Donc, du coup, si je me trompais, c'est-à-dire que c'est obligé qu'ils fonctionnent aussi. Et je serais très curieux de voir la solution. Voyons ce que ça donne. Ah putain, là il y a un gros problème. Je vais réfléchir encore un peu. Là il y a un gros problème. C'est ce que je craignais. Que je sois gouré quelque part. Donc lui c'est sûr il fonctionne pas. Oh putain, faut que je refasse tout. Oh mes couilles en stock, j'ai pas envie moi. Comment ça je refais tout? Il y a juste lui où j'ai eu un doute, mais j'avais trouvé à la fin, non? Comment j'ai fait déjà pour lui? Ça va jusqu'où? Ça va comme ça, là? Non, c'est pas possible d'avoir un triangle de toute manière. Comment je l'ai fait, lui, déjà? Comment ça a pu fonctionner avec lui? Ah ah oui. Je l'avais fait passer comme ça, je me rappelle. Ah oui, et là j'avais le losange. Et là j'avais l'autre forme. Non, non, bah pour moi, lui, c'est ok. J'avais fait quoi? J'en avais mis un petit ici, là, comme ça. Le 3. Je crois, hein, je sais plus. Et après... Ouais, un truc comme ça, bah, c'est un petit peu hasardeux par contre. On va bien vérifier qu'il y a assez de triangle. Il m'en faut 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Là, il y a un triangle exactement similaire qui monte en haut. Clac. Ah ouais, non, ça va pas plus haut que ça, en fait. Ah merde, attends. Oh, c'est moche, là. Alors, certes, le losange, il peut se mettre là.
Mais l'autre, il se met là, comme ça, là. Ou là-dedans. Mais du coup, pour l'instant, lui, c'est mort. Lui, pour l'instant, j'arrive pas à le recréer. Alors, du coup, imagine si je l'avais fait comme ça. Là, c'est plutôt pas mal, ça. Ça, c'est bien. Le losange, clac, 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 clac. Ah bah oui. Comme ça, clac, clac, clac. Oh, ça marche. Oh non, ça marche. Pour moi, c'est validé. Celui-là, c'est ok aussi. C'est good. Lui, j'avais dit, je crois, que le losange prenait... Non, pas du tout. Au contraire, c'est le premier truc que j'ai fait, ça n'a pas marché. J'avais dit que, hop, on prenait la moitié comme ça. Mais peut-être que j'ai pas le droit de prendre la moitié comme ça, en fait. 1, 2, 3, allez. 3 triangles. 3 triangles comme ça. Si, ça peut le faire un peu, quand même. Ça peut le faire un peu. Et alors, comment je me suis fait mon histoire, là, déjà? Bah, comme là, en fait. J'ai pris la moitié. Là, il y avait... Là, il y a le triangle qui monte. Tac. Et là, je fous le losange. Non, pour moi aussi, c'est bon ici. Pour moi, c'est bon, ça. Il n'y a pas un délire comme quoi je prenais tout ça, là, avec le losange. Ça va, le chat? Vous craquez pas trop? Je réfléchis, hein. Alors, le triangle, il est comme ça. On va le mettre à l'envers. Ou quoique, on le met à... Oui, ça change rien. On va mettre le triangle comme ça. Et du coup, là, il y a lui qui se met à l'envers comme ça. Bien que la forme... bien que la forme, c'est pas très ça. Celui-là, je suis un peu dubitatif. ouais, les formes sont assez bizarres sur celui-là. Bon, ici, c'est exactement la même chose. Ah mais oui, alors celle-là et celle-là, c'est exactement les mêmes. C'est juste que c'est inversé, mais ça ne change rien. Parce que du coup, j'ai juste à placer lui... Ici, clac. Clac, 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 clac. Et ce petit machin là, hop, il vient là comme ça. Donc si lui c'est mort, je considère que lui c'est mort. Et à l'inverse, si lui c'est good. Je pense que c'est good tous les deux. Et celui-là... Est-ce qu'il m'avait posé problème, celui-là? Oh, je dessine tellement bien. C'est affreux. Là, il y a le losange. Et là, il y a la forme de tout à l'heure. Bon, ben, ça me casse les couilles. Je sais pas du tout comment faire, alors. Ah merde. À moins que je considère que ces deux-là sont mauvais. Mais vraiment, dans ma tête, je pense qu'elles sont bonnes. Je vais prendre un indice. Il n'était pas utilisé la fonction note. Merci. Prêtez attention à la clé 2. Elle joue un rôle important. Bah...
D'accord. Vous avez probablement remarqué qu'il est impossible de combiner les trois clés pour les insérer dans la serrure C. Oui. Oui, 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 puisque c'est la seule vraiment que je ne veux pas. En revanche, elles peuvent parfaitement s'insérer dans la serrure B. Ouais, j'ai trouvé ça, moi, oui. N'oubliez pas, vous pouvez faire pivoter les clés, mais à cause du manche, vous ne pouvez les insérer que dans un sens. De ce fait, vous devez imaginer que les motifs visibles sur l'illustration sont inversés. Parce que vraiment, le sens du 2, il me bloque quelque part. Dans une... alors forcément, dans une forme qui est pas symétrique. Pas celle-là, pas celle-là, pas celle-là, pas celle-là. Pas celle-là non plus, donc forcément, celle-là. Ça devrait bloquer. Quand je vais le mettre à l'envers, il sera comme ça, effectivement. Mais si je le mets... comme ça. Clac, clac. Clac, clac, clac. Moi, j'ai des doutes sur celle-là, hein, depuis tout à l'heure, je vous le dis. Voilà, et après, c'est au-dessus de sa tête. Et de 1. Il y en a combien ? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Ah, en fait, il irait pas jusqu'au bout, peut-être. Peut-être qu'il irait pas jusqu'au bout. Mais je suis désolé, s'il va pas jusqu'au bout dans celle-là, c'est, pour moi, c'est impossible qu'il aille jusqu'au bout dans celle-là aussi. Hein. Attends. L'axe comme ça, et tiré comme ça. Clac, clac. Clac, clac, clac. Et là, on a dit... dans cet axe-là. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, mais d'ailleurs... le bout, il tombe comme ça. Ah, ça ne peut pas marcher, là. Et là-bas non plus, ça ne peut pas marcher. Non, attends. Ok, là, officiellement, c'est pas possible. Pour moi. Par contre, j'ai un doute. Il faut que je le prenne à l'envers, lui. Si je le prends à l'envers, je le place comme ça. Clac. 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 Et c'est... sur ce côté-là qui part. Hop. 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 Et ça coince là aussi. Ça peut pas se mettre en fait. Ok, je considère. J'avais un doute sur ces deux-là. Je considère que ces deux-là, c'est fini. Vérifions ça tout de suite. Oh merde, putain, c'est pas vrai. Oh merde. Je vais réfléchir encore un peu. Oh merde, putain, mais non, mais c'est pas vrai. Il est possible de combiner les trois clés pour les insérer dans les serrures A, B et G. A, B et G. D'accord. Toutefois, il est impossible de les utiliser dans la serrure C. Oui, ça je suis d'accord. Ainsi que dans l'une des trois serrures restantes. Une seule ? Il est impossible de la mettre dans une seule. S'agisse-t-il de D, de E ou de F ? En outre, cette serrure en forme de Z a l'air suspecte. Oui, celle-là. Mais bien sûr, parce que du coup, c'est la seule qui n'est pas symétrique. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Logiquement, ça serait comme ça que ça se passe, mais je comprends pas. Si celle-là, elle est validée. Ok, et là, du coup, ça finirait là-haut. Non, ça finirait comme ça. Ah, mais attends, celle-là, elle va nulle part dans ce sens-là, sur cette forme-là, parce qu'il est forcément comme ça, avec le truc qui part à droite. Donc je peux pas. Et si je le mets dans l'autre sens,
dans ce sens-là. En fait, le tampon, si je l'écris comme ça, là, si je le bloque, ça part comme ça. Et là, j'ai aucun moyen de le placer, parce que le seul moyen pour le placer comme ça, mais il partirait comme ça. Et à l'inverse, bah, si je le mets debout, il part comme ça. Et là aussi, je peux pas le placer. Ok. Mais j'arrive quand même pas à voir pour le F comment c'était possible de le mettre. Et voilà ma réponse. J'en étais sûr. C'était la seule qui était pas symétrique, c'est pour ça que ça posait problème. Alors le F. Ah ouais, d'accord, ok, on est sur un autre level. Je l'avais pas imaginé comme ça du tout. D'accord. Ok. D'accord. Eh ben, elle m'a fait réfléchir, celle-là. Elle me fait réfléchir. Enfin, GG, merci. Bah, c'était un petit peu long. Mais je vous l'avais dit que les hôtelières, elles allaient me poser problème. C'était sûr. Merci beaucoup Sayuri29 pour les 8 mois de resub. Merci Alex Moon qui a resub pour son 10e mois. Coucou, je vais pas rester ce soir, mais je viens passer un coucou et renouveler mon abonnement. Et je souhaite à toi et à tout le monde une bonne soirée, un bon jeu. Mais c'est très gentil ça, merci beaucoup. Merci TV Galaxy pour le sub Prime. Pour la première fois de toute ta vie, bienvenue 40 Picarats. Merci Scientichisk qui a resub pour son 3e mois. De retour pour m'abonner tour par tour. Je t'adore Farod, continue comme ça. Dans tout ce que tu fais, que ce soit sur Twitch et YouTube. Ton contenu est excellent. Tu as le bonsoir de la Moselle. Oh, ben bonsoir la Moselle. J'espère que ça va. Il fait beau chez vous. Bisous et bonne chance pour les énigmes qui sont plus complexes. Merci Max, merci beaucoup. Et enfin, merci à Crystal Live qui a resub pour 116e mois. Merci beaucoup. Tiens, je vais boire un coup. Alors, une énigme de train. Il faut 15 minutes pour voyager de la gare A à la gare B. Il faut 5 minutes pour voyager de la gare B à la gare C. Il faut 10 minutes pour voyager de la gare C à la gare D. Toutefois, il ne faut pas 30 minutes pour voyager de la gare A à la gare 30. Parce que du coup, typiquement, tu prends 15 plus 5 plus 10 et tu te dis de la gare A à la gare D, c'est 30 minutes. Il faut compter aussi les arrêts, forcément. La gare A est la première gare de la ligne, la gare D est son terminus. Sachant que la ligne ne comporte aucun aiguillage, combien de minutes faut-il pour voyager de la gare A à la gare D? Attends, mais tu es en train de me demander de deviner la durée des arrêts de train dans la gare? Bon, habituellement, c'est 5 minutes, hein. Mais vu qu'on me le donne pas... Alors, je vais relire. Il faut 15 minutes pour voyager de la A à la B, il faut 5 minutes pour voyager de la B à la C. Mais on compte pas. Non, on compte pas. On dit à partir du moment où le train démarre, il faut 5 minutes de la B à la C. À partir du train démarre, il faut 10 minutes de la C à la D. Mais il ne faut pas 30 minutes pour voyager de la A à la D. La gare A est la première de la ligne, la gare D le terminus. Il n'y a pas d'aiguillage dans le sens où on peut traverser de la A jusqu'à la D sans passer par la C par exemple ou la B. Sachant que la ligne ne comporte aucun aiguillage, combien de minutes faut-il pour voyager de la gare A à la gare D? Toutefois, il ne faut pas 30 minutes pour voyager de la gare A à la gare D. Je trouve que c'est très bizarre ce qu'on me demande là. Je trouve que c'est bizarre. Alors, je vais partir sur mon idée de on s'arrête à une gare obligatoirement et ça prend 5 minutes. Donc, le trajet direct dure 30 minutes plus
On prend pas en compte l'arrêt au A et l'arrêt au D. Donc 5 minutes au B et 5 minutes au C. Donc ça nous ferait du 40. Ça m'a l'air très approximatif. Ça m'a l'air très hasardeux et je sais que je vais avoir faux. Vérifions ça tout de suite. C'était pas possible que ce... C'était pas possible que j'invente de moi-même qu'un arrêt à la gare ne dure que 5 minutes. Il ne faut pas 30 minutes pour voyager de la gare A à la gare D. La gare A est la première de la ligne et la D le terminus. Je la trouve bizarre cette question. La réponse ne me saute pas aux yeux. Pourquoi ils insistent sur le fait que la gare A est la première gare de la ligne et la gare D est son terminus? Sachant que la ligne ne comporte aucun aiguillage, combien de minutes faut-il pour voyager de la gare A à la gare D? Mais alors ça serait 30? Mais ils me disent bien, toutefois il ne faut pas 30 minutes pour voyager de la gare A à la gare D. Et là on me dit combien de temps, de minutes il faut pour voyager de la gare A à la gare D. J'aime pas ça. Je la trouve très bizarre cette question. Je vais demander un indice, mais je ne sais pas du tout où le jeu va m'amener. Il est tout à fait possible de résoudre cette énigme. Toutes les informations données dans l'énoncé sont correctes et il n'y a pas de piège. Et si j'envisageais le problème sous notre angle? Alors je commence à me dire que la réponse peut-être va être 30 minutes, mais je comprends pas pourquoi. Il m'incite à pas dire 30 minutes. Il ne faut pas 30 minutes pour voyager de la gare A à la gare D. Combien de minutes faut-il pour voyager de la gare A à la gare D? Je refuse de mettre 30 parce que... Vous devez penser dans l'autre sens. Ah! Combien de temps je mettrai de la gare D à la gare A? C'est ça l'autre sens? Combien je mettrai de la gare D à la gare A vu que c'est le terminus et qu'ils insistent sur le fait que c'est le terminus? Le train, il fait pas le trajet inverse. Peut-être qu'il repart tout là-bas pour recommencer tranquille. Et que là, du coup, en gros, si la question c'est combien faut-il de minutes pour voyager de la gare D à la gare A, il n'y aura plus les arrêts en trace. Et là, c'est 30 minutes, mais c'est vraiment bâtard. Si c'est ça l'explication, bah il aurait fallu me dire combien de minutes faut-il pour voyager de la gare D à la gare A. Mais peut-être et que voilà, c'est pas ça. Réponse. Ah bah non, c'est pas ça. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Je vais réfléchir encore un peu. Oh putain, je l'ai pas, tu te rends compte comment je l'ai pas? Elle est super difficile celle-là. Vous l'avez vous? Vous l'avez déjà? Vous devez penser dans l'autre sens. Ah, il y a quand même une personne qui a dit oui. Ah, il y a plusieurs personnes qui disent oui. Après, beaucoup de gens qui disent non. Là, il y a trois personnes qui ont dit oui. Vous devez penser dans l'autre sens. Il faut qu'elle pour la garde. Il faut qu'elle pour. Alors je n'ai rien du tout qui me vient. La gare B est obligatoirement celle qui se trouve juste après la gare A, n'est-ce pas? Oui, parce qu'il n'y a pas d'aiguillage.
Ce n'est pas forcément le cas. Ce n'est pas forcément le cas. L'ordre des gares desservies par les trains de cette ligne pourrait ne pas correspondre à l'ordre. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? La gare B est obligatoirement celle qui se trouve juste après la gare A, n'est-ce pas ? Ce n'est pas forcément le cas. L'ordre des gares desservies par les trains de cette ligne pourrait ne pas correspondre à l'ordre alphabétique. Et alors, tu m'as dit que la gare A, c'est la première, et le D, c'est le terminus, donc même si... Ah, mais qu'est-ce qu'il me raconte ? On me dit que de la A, on peut relier la A à la B. D'accord, et on peut relier la B à la C. Et on peut relier la C à la D. Et là, vous me sous-entendez, mais je ne vois pas. Oui, parce que en fait, effectivement, tu mettrais 30 minutes pour aller en train. Mais à pied, la gare A et la gare D, elles sont à 1 minute à pied. Et tu peux y aller à vélo. Non, je suis désolé. Je sens bien que cet indice aurait dû me faire ouvrir les yeux en mode « Ah ouais, putain, c'est évident !» Mais je ne l'ai pas. Ils me disent que l'ordre n'est pas forcément alphabétique, d'accord, mais dans l'énoncé, on me dit juste « La A relie la B relie la C relie la D. » Ah non, je ne comprends pas. Ce n'est pas forcément le cas. La B n'est pas forcément juste après la A. L'ordre des gares desservi par les trains de cette ligne pourrait ne pas correspondre. Genre, on pourrait faire directement A, D, puis après C, puis après B, et après le B il relie à A, ou même pas. Mais non, mais on m'a dit que D c'était terminus. Pour remplir les conditions de l'énigme, l'ordre des gares doit être ACBD. Oui, bon, on respecte le début, la fin, mais alors qu'est-ce que... Alors je lis pas la suite de la phrase. Hein. ACBD. Mais AC. Alors attends. De A à B, il y a 15 minutes. De B à C, il y a 5 minutes. Et de C à D, il y a 10 minutes. Et lui, il dit que on est censé faire ACBD. Donc moi, je coupe comme ça. Mais comment je sais combien de temps ça me prend d'aller de A à C ? Et après, combien de temps ça me prend pour aller ? Mais attends, mais je suis con ou quoi là ? À partir de là, vous devriez pouvoir calculer le temps qu'il vous faudra pour aller à la gare. Aller de la gare A à la gare D. Pour remplir les conditions de l'énigme, l'ordre des gares doit être assez BD. Attends, ça y est, je deviens fou. Je deviens fou. Je n'ai pas de cerveau. Je suis complètement con. Ça y est. Je suis malade. Mais c'est quoi ça ? ACBD. Du coup, on a 5 minutes. Là, on sait pas. Là, on sait pas. Bah, je l'ai pas.
Bon, ben je n'arriverai pas à la résoudre, celle-là. Vous voulez me donner la réponse dans le chat, s'il vous plaît? Vin? Tu traverses la gare C pour aller à la B, en gros. Ce qui est dit dans l'indice. Bon, tout le chat dit vin. Alors, j'ai très hâte de voir la réponse. Enfin, l'explication, plutôt. Vérifions ça tout de suite. J'en étais sûre. Oh non, pas du tout. Bon, mais vous l'aviez? Pour remplir les conditions de cette énigme, la gare C doit se trouver entre la gare A et la gare B. Donc ça, c'est ce que tu me disais. De A à B, 15 minutes. De B à C. Ah putain, maintenant que je le vois, c'est logique, oui. C'est très bâtard, mais c'est logique. Si c'est linéaire, en fait, si c'est vraiment sur un plan... Si vraiment elles sont toutes alignées de manière linéaire, qu'il n'y a pas de « on tourne pas pour contourner » ou je sais pas quoi, c'est vraiment bâtard cette énigme. En fait, c'est là qu'on économise beaucoup. 15 minutes, 5 minutes, 10 minutes. Oh, elle était super dure cette énigme. En fait, on économise les 5... Ah non, attends. Ouais, c'est plutôt... Ouais, on économise les 5 minutes de là et les 5 minutes de là, en fait. Puisque c'est le temps du trajet. C'est vraiment bâtard. Tu étais parti sur ton schéma carré, c'est ce qui t'a bloqué. C'est ce qui m'a en tout cas pas mis sur cette piste, ouais. C'est vrai, ouais. Ah, je la trouve. Oh, sournoise, celle-là. Eh mais putain, les énigmes des hôtelières. Eh, commence à faire chaud, là. Oh, putain de merde, 70 picarades, je vais mourir. Ah, ça, on connaît ça. Cette fois, on ne parvient pas à franchir cette porte. Une fois de plus, vous allez devoir aider Luke et Layton à atteindre l'objectif indiqué par les flèches. Attention, cette énigme risque de vous donner du fil à retordre. Vous pensez peut-être avoir déjà résolu cette énigme, mais il s'agit bel et bien de nouveaux défis. Oh là là, elles sont difficiles. Les dernières comme ça, elles sont difficiles. Faut que j'amène machin, là. Il faut que je l'amène tout là-haut. Ah ouais, c'est une difficulté, ça, à chaque fois. Allô, la souris. Bloqué. Bien bloqué. Ça, j'aime bien. Je suis un petit peu bloqué en le mettant là, lui. En fait, je peux pas avancer Layton tant que cette barre verte là, elle est quelque part là. Faut que je la descende d'une manière ou d'une autre. Ça va pas être marrant. On va mourir.
Merde, putain, ça aurait été pas mal là. Ah ouais, d'accord, mais... Ok, je commence à le faire descendre petit à petit. J'ai plus de place, moi, après, pour bouger quoi que ce soit. Comment je vais te l'amener en bas, lui? Il faut vraiment que je le dégage tout en bas. Attends, qu'est-ce que j'essaie de faire là? Il faudrait que je le baisse d'un cran, lui. Bon, on a déjà essayé de le mettre là, mais ça marche pas. Hein. Et là, ça bloquera. De toute manière. J'ai l'impression que je tourne en rond. Hein. Parce que lui, ça serait bien le jaune de le mettre là-haut. Oh, c'est très frustrant, comment ça bloque. On est parti pour une heure, hein, bloqué sur cette énigme, je le sens. Merci Kai's Live, qui arrive pour son 9e mois. Bizarre, j'ai reçu il y a quelques jours déjà. Il me demande d'écrire un message bien, bah cool, le bébé est là, il est tout beau, merci pour tes lives, bonne soirée. Peut-être parce que t'avais pas écrit de message la dernière fois, il te le propose au cas où. Au cas où t'as oublié. Mais en tout cas, merci beaucoup. Merci pour ton resub. Mais non, mais je refais exactement pareil. C'est incroyable. Il y a quelque chose qui bloque. Comment amener le... Faudrait que je... Je vais recommencer. Comment je vais faire? Toi, je peux t'amener là. Toi, je vais t'amener là-haut. Alors, ce qu'on va faire là maintenant, c'est que... tu me bloques dans tous les sens. Toi, je peux pas t'amener là-haut. Tu étais là à l'instant, je crois. Tu étais comme ça. Je bloque beaucoup trop là. Je recommence toujours dans cette direction. Je crois que ça peut pas fonctionner si je pars de ce côté. Ça marchera que mieux si je fais ça. Yes, c'est pas mal ça. Pas mal, parce que je peux ramener ça ici. Attends, je vais le décaler juste comme ça. Mais attends, j'ai l'impression d'avoir déjà vécu cette histoire.
Après, ça sert à rien, c'est full bloqué. Hein. Ces deux formes comme ça, ça va pas du tout. Lui, par contre, il peut sortir comme ça, mais ça bloque full. Comment je peux amener quelqu'un là au moins? Oh putain de merde. Oh là là, elle est affreuse celle-là. Elle est affreuse. Je les aime pas ces énigmes. Je trouve ça si dur. Faut que ce soit dans la logique, faut que ce soit du Tetris là. Je peux rien faire. Je me bloque. Faire ça ne changera rien non plus. Et si lui je l'avais mis comme ça, oh non, je les aime pas ces énigmes là. Je les aime pas, putain. Elle m'énerve. C'est très insatisfaisant d'avoir le truc qui bloque comme ça dans le mur. Ça ne sert à rien. Parce qu'il y a ça qui me bloque fort. Allez Layton, tu peux y arriver. Ça ne mènera nulle part. Tant l'impression de ne pas tellement avancer. Tu peux pas passer là. Ne sert à rien d'être bloqué. Je veux pas la faire celle-là. Elle est trop difficile. Je reviendrai la faire en dernière à tête reposée parce que je la trouve trop dure. Eh ben les énigmes des hôtelières, c'est les pires, hein, très sincèrement. Je les trouve affreuses. C'est pas des énigmes, c'est le jeu de trouver le bon chemin. Je suis en rageux de ces jeux-là, vas-y. Je vais faire d'autres énigmes où faut réfléchir. Un homme possède un lopin de terre qu'il souhaite diviser en un maximum de parcelles pour les cultiver. Pour ce faire, il dispose de 5 cordes. Chacune d'entre elles doit traverser le cercle en ligne droite, mais elles peuvent se croiser autant de fois que nécessaire. Quel est le plus grand nombre de parcelles qu'il peut obtenir en divisant le terrain en 5 cordes?
Ah. Alors, soit par exemple, il fait 1, 2, 3, 4, 5, tu vois. Et là, les parcelles, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mais le plus intéressant, je pense que ça serait de passer par le centre. 1, 2, 3, 4, 5. Ça lui fait quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, j'ai dit de la merde. Pas du tout, en fait. Il en a que 10. Tout à l'heure, il en avait 12. Ok, et si on les met un peu de biais? 1, 2, 3. Mais attends, je suis en train de recréer un centre là, en fait, c'est complètement con ce que je fais. Non, attends. Attends. 1, 2, 3, 4. Et là ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. J'en ai eu 14. J'en ai eu 14. Je crois qu'on peut faire encore mieux. Je crois pas qu'il faut passer au centre en fait. Quoique si, il faut forcément qu'il y en ait une qui tape au milieu. Pas mal ce que je viens de faire là. Ça fait combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Je peux faire mieux encore. Je peux faire mieux. Il doit y avoir une forme symétrique à faire qui me vient pas en tête. Avec... C'est bien ça, hein, 5 cordes. Donc là, mon record, c'était 15. En fait, il faudrait que chaque corde croise toutes les autres cordes. Je l'ai fait approximativement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Bon, ça commence à m'inquiéter le fait que j'arrive à en trouver en faisant n'importe quoi. J'ai peur du chiffre final. Moi, ce qui m'inquiète, c'est le fait que j'ai pas trouvé la forme exacte. Parce qu'après, il est... Attends. Chacune d'elles traverse le cercle en ligne droite. Ouais, en ligne droite. Si je veux, je peux en faire juste une comme ça. Elle traverse en ligne droite, on me demande pas de passer au centre ou quoi. Hein.
Ça m'a l'air tellement hasardeux ce que je suis en train de faire. Deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze, quinze. J'en retrouve quinze. Bon, encore de 16, je sais, ouais. Je m'en souviens. Si je fais une étoile satanique, comme ça, clac, 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 clac. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ah, c'est nul! 16 pour l'instant. L'intérêt est de faire passer les cordes dans le plus d'endroits possible. Voilà. Là, j'ai une ligne avec 3 trucs à la fois. Est-ce que je peux avoir une ligne avec... Là. Clac. Voilà, donc j'avais fait combien? 1, 2, 3, 4, il m'en manque une cinquième. Il m'en faudrait... Alors si celle-là passe au milieu, elle passe par 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oh, ça a l'air mathématique en fait, j'ai l'impression. Là, j'ai l'impression que ma ligne, ma dernière ligne, ne pourra passer au maximum que par 4 endroits. Qui le divisera donc en 8. Ouais, j'ai l'impression. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Putain, 15 seulement. Vas-y, je vais proposer 16. Je vais voir ce que ça fait. S'il faut 16, j'ai complètement fumé. Hein. Ah non, c'était ça. J'aimerais bien avoir l'explication. Je suis rassurée. Ah d'accord. Ah d'accord. Il peut diviser le terrain en 16 parcelles. La première corde divise le cercle en deux. Voilà, c'est ça l'idée que je me suis fait. La première corde divise en deux, puis tu redivises en deux, et à la fin tu divises en 8. Bon, bah c'est sûr que c'est plus joli, alors c'est très bizarre, hein, mais c'est plus joli, oui, ce qu'il a fait lui que par rapport à moi. Ouais. Ouais, ouais, un beau travail, c'était pas très beau, c'était pas très propre en tout cas, hein, ce que j'ai fait. Alors, fait chaud, hein. Vous n'avez pas chaud, vous? Fait chaud chez vous un peu ou ça va? Ouh, le chapeau de Layton. Merci Malogriff pour les 17 mois de resub. Et 7ème mois de sub ici, comment ça va cette soirée d'été? Bah il fait chaud. Ça va tranquillou, pas grand chose à dire, mais je te souhaite bonne chance pour les énigmes, mais pas à titre raté. Conseil valable pour le chat, effectivement. Ça va le chat, ouais? Chez moi il fait frais, putain, t'as la chance. Je fonds là, la même actuellement. Catastrophe. Bonsoir Maryse. Est-ce qu'elle est dans le chat, Maryse? Parce qu'elle vient de resub à l'instant pour son 37ème mois. Comment on devient modo SVP? Alors Maryse, tu apprendras que ce ne sont... merde, c'est quoi la phrase? Merde, oh, j'ai plus, je suis fatigué. On ne demande pas le droit d'être modo. Ce sont les droits de modo qui viendront à toi. Elle est tellement bien écrite, cette phrase. Elle est incroyable. yes, 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 yes. Ben voilà, Maryse, du coup, j'espère que ça a pu répondre à ta question. Et merci à Haroldette qui a resub pour son 7ème mois, j'espère que tu vas bien. Et on l'a écrite cette commande il y a quoi, il y a 20 ans déjà, j'ai oublié moi, depuis. Le haut de forme ci-dessous est composé de 6 blocs. En utilisant ces blocs, formez un chapeau blanc à l'emplacement du chapeau noir. 3, 4, 5, 6. Attends. Ah, d'accord, ok. Oh, je sens qu'on va créer un petit chapeau blanc au milieu, en gros. Mais comment c'est possible qu'il va y avoir des... les pièces peuvent être manipulées à l'aide du stylet. Vous devez utiliser toutes les pièces, vous pouvez les faire pivoter. Ouh, oh là là, j'aime pas ce qui va se passer. Donc du coup, je vais tâcher
de recréer moi-même. Ouh, d'accord. De recréer moi-même un tout petit chapeau de Layton. Du genre... Alors, attends. Comment on va le faire, ce petit chapeau? Embêté, ça. Oh, putain, je suis curieux de savoir comment on va faire. Petit chapeau de Layton. Il y a quand même des endroits qui vont nous poser problème, là. Allô, le jeu. Comment on va faire un chapeau Layton? C'est ça, hein. En utilisant... utilisant les blocs. Former un chapeau blanc à l'emplacement du chapeau noir. Attends, mais qu'est-ce qu'il me raconte, en fait, le jeu? Mais c'est pas ça, en fait, ce que je dois faire. Je crois plutôt qu'en fait, je dois faire le tour du chapeau. Je crois qu'il faut que je fasse le tour du chapeau. Et je fais apparaître un chapeau blanc. Je suis con, hein. Mais c'est peut-être ça, en fait. Ouais, c'est peut-être ça. Oh merde, j'ai vraiment l'impression que c'est ça, en fait. Attends, mais c'est vraiment ça, Lily? Oh merde. D'accord, elle m'a pris par surprise. Oh là là. Non, parce que moi, je me suis dit, c'est comme les tablettes de chocolat, tu sais. Les tablettes de chocolat, il y avait un mème sur internet, des vidéos qui montraient que la tablette, tu la prenais comme ça, tu la coupais dans l'axe comme ça, tu prenais le morceau comme ça, tu le remettais au-dessus, et ta tablette, t'avais rien perdu, et elle était plus grande qu'à la base, ou plus petite, je sais plus. Et moi je me suis dit, il doit y avoir une illusion d'optique qui fait qu'il va y avoir un petit dessin qui va apparaître au milieu. Bon, en fait, non, il fallait faire juste le contour du chapeau, et puis voilà. Bravo! Énorme! Ouais, c'est vieux, c'est vieux. Bah, je suis vieux aussi, c'est pour ça. Allez, conserve en vrac. Ah, conserve en vrac, c'est pas le... 50 picarats. Let's go. Ah, je pensais pas à ça. Attends, qu'est-ce que c'est? Une employée trop pressée a empilé ces 4 types de boîtes de conserve sans tenir compte de leur contenu. Cependant, elle veut maintenant organiser les piles par produit. Il est impossible de déplacer une boîte sans déplacer en même temps toutes celles qui se trouvent au-dessus d'elle. Une pile ne peut pas compter plus de 6 boîtes. Aidez cet employé à ranger les boîtes. Sachez cependant que cette énigme doit être résolue en 14. Ok, c'est quoi l'histoire? Je dois faire chaque rangée pareil? C'est ça? Il y a 4 cerises, il y a 4 poissons, il y a 4 pêches, il y a 4 viandes. D'accord. Et on m'a dit qu'on peut pas en avoir plus de 6, hein, d'accord. Donc la blague sera que... On doit commencer obligatoirement par vider. Je sais pas. Ben on va se débrouiller pour les poser. Par exemple... C'est embêtant cette histoire. Attends, je fais un truc au hasard, d'accord? Fou hasard, vraiment je réfléchis pas à ce que je suis en train de faire. Hein. J'en ai utilisé beaucoup trop là en fait. Bon d'accord, je commence à... J'ai fait un peu n'importe quoi mais ok. Niqué. Comment je peux faire? Comment je peux faire? Je pourrais la mettre sur le côté des fois. Non. Allez, t'es bon pour commencer. Ah, ah, j'aime bien ça, j'avais pas vu.
Et merde, j'ai perdu un déplacement pour rien là. Oh, c'est chiant cette limite des 14 en vrai. Il faut libérer au plus vite un espace en fait. Ploup. En fait, là où j'enlève un truc, faudra forcément que j'y mette quelque chose. C'est nul ce que je viens de faire. Ah, quoique, pas trop, en fait. Et merde, j'avais juste un dernier déplacement à faire. Et je peux pas le faire. Oh les boules. Oh les couilles. Ah, c'est pas mal, je viens de libérer déjà un espace. Ah mais alors là, les cerises et le machin, ils sont tout mélangés. Ah oui non, ah oh, merde, pas du tout en fait. Oh là là, quelle erreur je viens de faire. Ah, j'ai fait n'importe quoi là. Test, hein. Attends, je recommence. Comment je vais faire? 1. Deux. Trois. Ça pue cette histoire là. Faut que je continue à avoir des grandes piles. Il fallait que je débloque ça obligatoirement. Oh merde, putain, ça passe pas. Je m'en veux. Je m'en veux. Casse-couille un petit peu cette histoire là.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouf, elle va m'embêter celle-là. Non, ça va en fait, c'est bon. C'est réglé. Et voilà ma réponse. Eh ben putain. Le hasard encore complet, une hein. Victoire pour l'apprenti complètement hasardeux. Du professeur. J'ai fait un mouvement en moins. Bien. Ça va, heureusement, celle-ci, c'était pas trop difficile. Énigme de l'inconnu. Oh non, mes inconnus font toujours des énigmes trop difficiles, là. Ouais, 13 coups sur 14, c'est ça. Ou 60. Oh putain, les tampons et tout, là. Placez un chiffre dans chacune des cases de A à G afin de parvenir à une égalité. D'accord. Dans cette énigme, les cases A et B et les cases E et F représentent des... Oh putain, des minutes. Oh non. Jack, les maths, c'est dur, mais en plus, si tu mêles à ça les heures. Tandis que les cases C, D ainsi que la case G et le chiffre 7... Ah oui, d'accord, c'est... Oui, d'accord. Représentent des secondes. Mais tu multiplies des heures. J'ai horreur de multiplier des heures. C'est trop chiant. Le nombre de secondes affichées dans le produit ne peut être supérieur à 60. Ici. Ah. D'accord. Il peut pas être supérieur à 60. Ben oui. Attends. Le nombre de secondes affichées dans le produit ne peut pas être supérieur à 60. Mais c'est normal parce que les minutes ne vont jamais au-dessus de 60. Elles vont même pas au-dessus de 59 puisqu'elles passent à 0. Si c'était le cas, une minute devrait être ajoutée au nombre EF. Cependant, le nombre EF ne peut dépasser 60. Oh putain, je deviens fou. Attends, mais quoi? J'ai pas compris la fin de l'explication, là. Le nombre de secondes affichées dans le produit ne peut pas être supérieur à 60 parce que c'est des secondes qui dépassent pas 60. Si c'est le cas, une minute devrait être ajoutée au nombre EF. Mais pourquoi EF? Pourquoi si l'âge dépasse 60, ça rajoute une minute ici? Quel est le lien entre les deux? C'est une égalité? J'en ai marre. Donc égalité, alors ça c'est pas de signe divisé, attention, c'est l'heure. Hein. Bon, alors déjà, obligatoirement quelque chose... C'est un 1 ou un 7 ça déjà? C'est un 7, parce qu'il n'est pas là. Quelque chose multiplié par 3 qui finit par 7. 3 fois 1, non. 3 fois 2, non. Il n'y a pas le 3, effectivement. 3 fois 4, 12. 3 fois 5, 15. 3 fois 6, 18. Mais on va y arriver, vraiment. 3 fois 9, 27. Oui. D'accord. Et j'aimerais mettre quelque chose de pas très haut, ici. Pas très haut, du genre... le 1. Le 1 m'irait très bien. Ah ben non. Ah ben si. Parce que ça ferait quoi? Ça ferait 57, c'est ça? 3 fois 19, on ferait 57. Mais... Attends, la multiplication... Ouais, d'accord qu'elle fonctionne aussi, là, hein. Et sachant qu'on peut pas dépasser 60, alors lui, il est obligatoirement à droite. D'ailleurs, je vais le mettre à droite. Le 6, il est obligatoirement à droite. Le 2 et le 4, ils sont obligatoirement à gauche, tous les deux. Ça m'étonnerait que... 28 x 3, ça fait 46. Hein. Non. Si je mets les plus petits numéros... 26 x 3, ça dépasse 60 ici. Et il m'a dit, t'as ajouté cependant le nombre EF ne peut pas dépasser 60. Par contre, ils m'ont jamais dit que AB il pouvait pas dépasser 60. Regarde, ça représente des minutes. Mais moi, on m'a dit, le nombre affiché dans le produit ne peut pas... Putain, j'ai perdu la ligne. Le nombre de secondes affiché dans le produit ne peut pas être supérieur à 60. Ah, mais peut-être que celui-là aussi. Ah, merde, mais celui-là aussi, alors il pourrait pas être supérieur à 60. C'était le cas, une minute devrait être ajoutée au nombre EF, cependant le EF peut pas être ajouté. Mais quand ils disent le nombre de secondes... Non, 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 ils disent le nombre de secondes, c'est-à-dire ça. Ils disent pas le nombre de minutes du produit. Hey. Mais c'est complètement con ce que je raconte, parce que du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Ben, ça n'a pas de sens de multiplier ça par...
Parce qu'on va forcément dépasser, c'est trollé. On peut pas les tourner. Hein, les machins là, on peut pas les, les pivoter des fois. Hop, non, bon d'accord. Alors attends, il y a vraiment un truc que je loupe et que je pense qui est important. Le nombre de secondes affichées dans le produit peut pas être supérieur à 60. Si c'était le cas, et je sens que ça va être le cas, une minute devrait être ajoutée au nombre EF. Cette phrase, elle m'embête tellement. Je comprends pas ce qu'elle veut dire. Si le nombre ici est supérieur à 60, genre si j'écris 89, ne peut pas. Ils disent bien, il peut pas être supérieur à 60. Mais si c'était le cas, donc il peut. Une minute devrait être ajoutée ici. Mais l'égalité, elle serait pas bonne. Je suis con ou quoi? Attends, je vais remettre comme j'étais. Le nombre de secondes affichées dans le produit. Ah, non, attends. Parce que quand ils disent le nombre de secondes affichées dans le produit, pour moi, le produit, c'est ça, là. Et quand ils disent le nombre de secondes, c'est lui, là. Mais peut-être qu'ils disent le nombre de secondes du résultat du produit. Ne peut être, il peut être supérieur à 60, mais il peut pas être affiché supérieur à 60. Donc s'il est supérieur à 60, une minute devrait être ajoutée au nombre EF. Ce qui n'a pas de sens pour l'équation, je considère, je comprends pas. J'ai besoin d'un indice, s'il vous plaît, le jeu. Récapitulons ce que vous savez déjà. Le temps qui se trouve sur la deuxième ligne se termine par un 7 et celui figurant sur la première ligne est multiplié par 3, donc les minutes aussi. Le chiffre de la case D doit donc donner un 7 lorsqu'on le multiplie par 3. Un seul chiffre, oui, alors ça, je l'ai trouvé, c'est le 9. 9 x 3 donne un nombre se terminant par un 7. Le 9 doit donc être placé dans la case D, ça c'est bon. Vous savez également que 2 x 3 égale 6, vous devriez pouvoir en déduire quelque chose à propos de la case A. Quoi ? Non. Vous savez également que 2 x 3 égale 6. Vous devriez pouvoir en déduire quelque chose à propos de la case A. 2 x 3. 2 x 3. Mais pourquoi la case A? Ah d'accord, attends. Bon, moi je sens que lui, le 1, il va finir là. 2 x 3 égale 6. Oui, mais non, parce qu'on peut pas arriver à 3 en fait. Et là, on m'a dit qu'on pouvait pas dépasser 60. Par contre, attends. Mais est-ce que ça se répercute pas dans les secondes? Oh putain, attends. Est-ce que c'est possible qu'en multipliant par 3, on part sur le cycle de la nuit de 12 qui ramène à midi, 13h, on passe sur... Ouf, le cerveau qui chauffe.
le nombre EF ne peut dépasser 60. Mais je viens de capter, ça n'a aucun sens. 46 heures. En fait. Enfin, 46. C'est des minutes, c'est pas des heures. C'est des minutes, c'est pas des heures. Il faudrait que je relise, en fait. Oh. Attends. Les cases A, B. Allô, la souris, allô. Les cases A, B et E, F représentent des minutes. C'est pas des heures du tout, en fait. C'est des minutes. C'est des grosses minutes. Ça, c'est les secondes, mais ça, c'est pas possible ce que je viens de faire. Oui, mais les minutes dépassent pas 60. D'accord. Attends. Mais on m'a dit que... On m'a dit que... Lui, il peut pas dépasser 60. Lui, il peut, mais peut-être il peut pas, mais il peut en fait. Mais lui, on m'a jamais dit qu'il pouvait pas dépasser 60. 82 minutes, 40... C'est pas une heure. C'est moi qui ai cru que c'était des heures, mais ça peut être un temps, par exemple... sur un chronomètre. Les cases CD ainsi que la case G, le chiffre 7 représente des secondes. Le nombre de secondes affichées dans le produit ne peut être supérieur à 60. Le nombre de secondes ne peut pas être supérieur à 60. Mais alors cette phrase, si c'était le cas, une minute devrait être ajoutée. Et ça, c'est très chiant. Vas-y, je vais tout renlever, je vais réfléchir. Donc je sais que je vais laisser le 9 ici. 9 x 3, 27. Là, rien ne m'empêche. Je trouve ça bizarre quand même que ça dépasse 60 ici. Genre un 87 secondes. Quoique, il y a des chronomètres qui ont des secondes qui... En fait, j'en sais rien. Ils vont jusqu'à 100, je crois. Là, ça peut pas. Mais si ça dépasse 60... Une minute doit être ajoutée au nombre EF. Et ça, cette phrase, elle me rend folle, je la comprends pas. Imagine. 12. Ça fait 127. Et donc là, il y a... 1 en plus. Mais pourquoi là? Quel est le lien entre les deux, en fait? Non. Bon, bah 15 x 3, ça fait 45, mais... Plus 1, 46, et... 8, 8, 16... 24. Ah, mais ça ferait plus 2. Non, on m'a juste dit, si c'est le cas... Une minute doit être ajoutée. Juste si je dépasse 60. Bon, je... Mais j'ai respecté, là, ça va? Regarde. 89 x 3. Ça fait 247. Ah, merde. Là, j'ai mis un 2, ça n'a pas de sens. Attends. Attends, je vais prendre ma calculette, je suis perdu. Attends. 89 x 3, ça fait 267. Pas du tout, en fait. 267. Et alors, c'est pas ça qui va être là. Non plus. Non plus, ça marchera pas. Parce que là, en fait, il y a 2 minutes en plus. Mais pourquoi il... Oh, hey, nique-toi, hein, j'ai besoin d'un indice. Si le chiffre de la case A est supérieur à 1, votre résultat dépassera les 60 minutes. L'énoncé indique que le nombre EF ne peut pas dépasser 60 par conséquent. Sauf le chiffre 1 peut être placé dans la case A. Ce que j'ai fait, ça va. Poursuivez le raisonnement et vous devrez trouver la solution. Voici un autre indice. Le 5 ne doit pas être placé dans la case E. Le 5 ne doit pas être placé dans la case E. Ok.
Si je mets un 2 ici. Non, mais il y a toujours une phrase qui me bloque, c'est le nombre de secondes affichées dans le produit ne peut pas être supérieur à 60. Mais le truc, c'est si c'était le cas, une minute devrait être ajoutée au nombre d'œufs. J'aime pas ça, ce que vous dites des fois. J'aime pas du tout. Bon, je vais essayer de faire quelque chose de plus... Je la prends pas en compte, cette phrase. Je la trouve débile, je la prends pas en compte. J'ai le droit à 2, 4 et 5, ici. Je peux rien mettre d'autre. Je vais essayer de prendre des gros chiffres qui pourraient m'embêter. 59 x 3, ça fait du 777. Je peux pas le mettre parce que j'ai pas 2 x 7. Alors, je vais mettre 4. 49 x 3, ça fait du 147. Le 4, je peux pas le mettre ici parce qu'il est déjà pris là-haut. Alors, je le mets pas. Le 2, 29, putain, je sais pas écrire, 29 x 3, ça fait du 87. Ça fait du 87. Et j'ai le droit de faire ça, là? 87, attends. Le nombre de secondes affichées dans le produit ne peut pas être supérieur à 60. Il n'est pas supérieur à 60. Si c'était le cas, j'imagine si le résultat est supérieur, une minute devrait être ajoutée ici. Mais et genre, je reviens à quoi? À 2? Ou alors je reste à 87? Mais de toute façon, je peux pas revenir à 2. Le 2 est déjà pris. Ça va, vous? Passez un bon moment? Ça va, point. Mais imagine que je mette 15. 15 x 3, 45. Et vu qu'on m'a dit que là, du coup, ça dépassait, je rajoute une minute là, 46. Allez, c'est bon pour moi. C'est ça. Et voilà ma réponse. C'est ça. Ah, c'était pas ça. Bah, je pensais, j'étais sûr que c'était ça, tu vois. Je ne sais pas quoi dire. Incroyable moment pour ma part. Bah nickel alors, kiffe bien. Voici un dernier indice, les chiffres 1, 4, 8 et 9 doivent être placés dans les cases du haut. 1, 4. 4 et 8, hein. Oups, alors peut-être que je me trompe. non, je n'ai pas le droit d'avoir plus de 60 ici. Donc ça serait comme ça. 49 x 3, 49 x 3, ça ferait 147. Ah, mais 147, je l'écris pas comme ça, c'est des secondes. 147, c'est quoi? C'est 60. Une fois, 60, deux fois. Ça fait 120. Et pour, de 120 à 147, il y a bah, 27. Et je dois prendre en compte qu'il y aura 2 ici en plus. 18 x 3, ça fait 54. Mais plus 2, 56. Voyons ce que ça donne. Trop chiant cette musique. Trop chiant. J'en étais sûr. Mais moi aussi j'en étais sûr. Trop bien. C'était mon énigme préférée. Mais l'énoncé il était pas clair. Ou alors il était clair et j'ai pas réussi à le comprendre. Qu'est-ce qu'on en pense de l'énoncé qui était bizarre là, qui disait il peut pas y avoir 60, mais si jamais c'est le cas. C'était nul. C'était trop nul. J'ai pas aimé. Alors, c'est moi qui suis de mauvaise foi ou c'est le jeu qui était pas ouf? Déjà, il y a quelqu'un dans le chat qui dit c'était compréhensible. Et là, j'ai mal. Énoncé clair. Et là, j'ai mal. C'était clair. J'ai mal. je suis bête! C'est toi. Et là, j'ai mal. Coucou. Oh! Et là, j'ai mal. Clair, mais pas facile à comprendre. C'est ça que tu veux dire? Ah!
Merci Serenity98 pour les 500 bits. Coucou Farod, merci pour tes super streams. Je te remercie pour tout ton contenu qui est super chouette et je te souhaite une bonne suite de soirée. Ben moi aussi, je te souhaite une bonne suite de soirée. Ton message est très sympathique, merci beaucoup. Ça fait plaisir. C'est toi. C'est pas gentil. Je meurs. Un carré de 4 jours a été entouré sur le calendrier déchiré. D'accord. Attends, le carré, attends. Déjà, moi, je commence à faire la merde. C'est quoi? C'est ça, le carré? Ou alors, comme il est grand, le regarde, on dirait que là, ça va jusqu'au 17. Ouais, déjà, ça me saoule, je comprends pas. La somme de ces dates est égale à 20. Tac, tac, bon. Du coup, le carré, c'est ça. Imaginons que... Ah non, la plus petite date est bien entendu le premier du mois, d'accord? Imaginons que le calendrier soit intact. Ok. Ok. Oh, ça a pas l'air si compliqué. Et que vous ayez entouré un carré de 4 dates, dont la somme est égale à 88, quelle serait alors la plus petite date de votre carré? Oh non, ça a pas l'air si compliqué que ça. Ça devrait le faire. 4... 5, 6, 7, 11, merde, 12, 13, putain c'est trop dur à la souris, 14, 18, 19, 20, oups, 21, 23, 24, 25, 26, 27, je fais des pattes de mouche, 28, 29, 30, oh, je pourrais les faire comme ça, ceux-là, tiens, 29, 30, 31, bon, je sais pas quel mois c'est de l'année, hein. Ils ont pas dit le mois que c'était, hein. Bon, il faut une somme qui fasse 88. Bah alors là, écoute, on va prendre des numéros au hasard. Par exemple, je sais pas, on va prendre 15 plus 16 plus 22 plus 23. Ça fait 76. Alors on va se décaler un peu sur la droite. 16 plus 17 plus 23 plus 24, ça fait 80. Ah oui, on est encore loin. On va se décaler. 18 plus 19 plus 25 plus 26, ça fait 88. Alors déjà là, j'en ai un. Tu notes. Merde, je voulais le faire en petit. Hop, j'en ai un qui fonctionne ici. De carré. Mais peut-être qu'il y a un carré plus loin avec des numéros plus petits. Exemple, 20 plus 21 plus 13 plus 14. Ça ne marche pas du tout. 22 plus 23 plus 29 plus 30. Ça va trop loin. Est-ce qu'il y a un moyen de faire un carré plus sournois? Non, on peut faire que comme ça, le carré. Attends. 24 plus 25 plus 31. 4... Non, ça marche pas. 17 plus 18 plus 24 plus 25. Ça marche pas. Peut-être que c'est le seul... Un carré, hein, on m'a dit. Hein. Un carré, c'est des angles droits. On peut pas faire des rectangles ou je sais pas quoi, là. On peut pas faire un carré genre, tu vois, genre, hop là, comme ça là. Ça c'est pas un carré ça, ça c'est un rectangle. Mais c'est quand même 60 picarats, moi je trouve que c'est très bizarre. Hein. Quelle serait alors la plus petite date de votre carré? Je trouve que c'est très bizarre que ça se trouve aussi facilement. Là ma réponse serait 18. Mais je doute. Je doute très fort. Je trouve ça bizarre. Bon je vais essayer 18 alors. Peut-être que c'est vraiment ça. Si c'est pas ça, oh, je vais me sentir con. Et voilà ma réponse. Mais merde, mais merde. Mais pourquoi j'ai une énigme de début de jeu, là, c'est super simple. Attends, c'est quoi cette explication de malade mental, là? On observe une différence de 1 entre deux dates adjacentes. Sur la même rangée, une différence de 7 entre deux dates qui se suivent dans la même colonne. Si la somme des carrés est 88, la somme des dates du haut doit être égale à 88 moins 14 divisé par 2, soit 30. T'es fou? T'es fou? Mais t'es un grand malade. Bon,
Bah écoute, ça fait plaisir d'avoir des énigmes pas trop dures, du coup, j'imagine. Oh putain, 80 picarats. Oh putain. C'est quoi encore ça? Oh non. Oh non, les jeux, faut déplacer des cailloux, là. voici trois bracelets de perles identiques qu'il est possible de regrouper afin de former un très très grand collier. Oh, bah bon. Ah bon? Déplacez les cases ci-dessous pour relier les bracelets et former un unique collier continu. Mais c'est des angles à chaque fois. Ah! Ah! D'accord, ok. Du genre... Ah! oui, bah là, du coup, je comprends mieux pourquoi. Oh, la galère que ça va être. Attends. Ah mais non, tu m'emmerdes, toi. Ah mais non, attends. Tu es en kikinant, si ça ne marche pas. Mais comment je fais, moi, mon histoire? Attends. Quoi? Annule. Annule tout. Abandon de la mission. Attends, il y a quelque chose que je vois pas. Mais oui, moi, j'ai tendance à faire ça. Mais il va... Non. C'est plus con que ça. Encore. Ah mais non, ça sera pas assez grand. Attends, putain, ça me fait rire, c'est quoi encore cette histoire là? Là je le fais venir comme ça. Mais il y a un truc qui cloche avec les angles là, j'ai bien l'impression que ça, c'est pas fait pour fonctionner. Merde, mauvaise idée de les déplacer eux. Attends, j'aimerais recommencer encore une fois s'il te plaît. De faire pareil mais de l'autre côté. C'est moui débile. Puis à un moment donné ça va me sauter aux yeux, je vais me faire oh c'est du génie. Mais non. Mais non, c'est pas du génie du tout. Le problème, c'est que il y a pas de ligne droite. Si... Imagine cet angle-là, juste celui-là. Là, il a une boule à droite. Les seuls qui peuvent fonctionner, c'est soit lui, parce qu'ils ont aussi une boule à gauche. Si je mets lui, le collier, il se bloque. Donc je peux mettre que ça. Et c'est exactement pareil de ce côté. Je vais pouvoir que le mettre là. Parce que s'il va vers là, il se bloque. Je ne comprends pas comment je peux faire. Attends. Il y a un truc que je vois pas. Parce que regarde. Si je fais ça là, bah il va se bloquer. À moins que... Et si j'amenais ça ici... Attends, deux secondes. J'amenais ça comme ça. En fait, on va faire un... Je crois que la forme qu'on va faire, ça va être... Un truc du genre... Je crois qu'on va faire un truc comme ça. Ce qui me demande 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11, 12. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze. D'accord.
Eh bien, c'est complètement ce qu'il va falloir qu'on fasse. Du genre comme ça, tu vois. Ouais, eh bien, ça va être une putain de galère. Oh, putain. Oh là là, que ça va être... Très chiant. Très chiant, je confirme. Oui, oh là. Oh, la galère. Lui, il doit être là. En fait, ces trois trucs-là, je dois juste les amener dans les angles. Et il y, y aura un angle de vide. Ok. C'est pas lui qui doit être là-bas. Enfin, j'en sais rien, en fait, je sais pas. Je vais faire un peu aléatoirement. Voilà. Ils sont tous dans les angles et maintenant, on peut s'amuser. Oh putain, il est là le seul qu'il me faut. Oh putain. Pourquoi il est là-bas lui? Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est le vide. Eh bien, je peux pas te laisser là-bas enfermé tout seul. Tu vas être utilisé ailleurs. Tiens, on va t'amener lui là-haut à ta place. Parce que si j'amène pas un truc comme ça là-haut, ça va être bloqué. Celui qui fait comme ça, il est là. Ok, on est pas loin. En fait, faudrait que je déplace lui là-bas. J'avais confondu deux. Comment je vais faire mon coup, moi? Let's go. Let's go. Voyons ce que ça donne. Qu'on veut. Encore une victoire pour l'apprenti du professeur. Let's go. C'est pas mal ça. Bon, elle était sympa celle-là. Merci pour les cœurs dans le chat. Je sais pas si c'était imposé ou si c'était de vous-même, mais c'est mignon. Merci. Et oh là 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 là. Putain, non. Or celle-là, je veux tellement pas la faire. Je l'aime pas. Je l'aime pas. Je ne l'apprécie pas cette personne. Non. Non, je ne veux pas la faire. J'en rote. Non. Oh non.
Elle est pas gentille, celle-là. Mais je l'ai remis comme c'était au début. Bon, j'ai pas envie de la faire, celle-là, je n'aime pas. Vous m'autorisez à tricher sur celle-là? De toute façon, c'est quoi les indices? Oh oui, attends, il y a peut-être des indices, je vais regarder la solution. Il y a plusieurs façons de résoudre cette énigme, en voici une. Pour commencer, faites glisser la pièce jaune vers le haut, puis vers la droite pour qu'elle s'imbrique dans la pièce rouge. Comme ça. Ensuite, déplacer Luc et le professeur vers la gauche, c'est un bon début. Bah t'es plaisante, c'est... Mais mec, c'est le début que j'ai à chaque fois, ça. C'est du plaisante. Après avoir suivi les instructions du premier indice, pardon, déplacer la pièce rouge, puis la pièce jaune vers le bas. Oh, je suis désolé, c'est du rose, mais si tu veux. Faites glisser la pièce bleue vers le bas, puis vers la gauche, pour la placer au-dessus de Luc et de Professeur Layton. Allez, pour tout ça, pour l'instant, j'avais déjà fait. Après avoir suivi les instructions du deuxième indice, déplacez la pièce jaune et la pièce rouge vers le haut. Faites glisser Luc et le professeur Layton vers la droite sous la pièce rouge. Si jamais tu craques pour le lien pour la solution. Merci, Malouga. Maintenant, déplacez la pièce bleue vers le bas, puis vers la droite afin qu'elle se retrouve contre Luc et Layton. Ok, vas-y, je vais regarder les indices jusqu'à la fin. Après avoir placé la pièce jaune contre le mur de gauche et faites la glisser vers le bas contre la pièce bleue. Et oui, bon, j'imagine qu'on va bouger la rose alors. Faites glisser la pièce verte. Ah non, aussi bas que possible et placez là et placez la pièce orange tout en haut. Oh putain, ça m'a libéré ça. Oh merde. Ramenez alors la pièce verte à sa position de départ et essayez de trouver la suite par vous-même. Oh merde. Je m'attendais pas à ça. Merde, mais j'avais jamais réussi à faire un truc pareil, moi. C'est incroyable. Ah mais là il est bloqué là, il tombe. C'est la première fois que les indices m'aident pour une énigme comme ça. D'habitude, ils me disent, bah écoutez, on peut pas vous aider, débrouillez-vous par vous-même. Tu vois. Oh putain. Ah bah merci les indices. Oh merci les indices. Je t'aime les indices. Première fois qu'ils m'aident sur un truc pareil. Mesdames et messieurs, il ne nous reste plus que les trois dernières énigmes du jeu. Et les plus dures, à savoir la salade de fruits, la dernière porte et rien que le voyage dans le temps. Merci au Shiro69 pour les 21 mois de resub. Bonsoir, bonsoir, ça faisait longtemps, je viens juste faire un petit coucou. Et bon, live à tous et à toutes. Ben merci, c'est gentil, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Salade de fruits. Bien sûr. J'ai peur de voir les numéros des Picarats. Oh. 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 Oh là là. Oh non, attends, ça a l'air bien. Reconstituer ce tableau représentant 4 variétés de fruits en D. Plat sans les panneaux et en les en pivoter à l'aide du stylet. Bah ça a pas l'air très compliqué. Vous ne pouvez ni déplacer ni faire pivoter. Mais alors je vais regretter ce que je dis. Écoute bien, ça a l'air facile. Je te le dis, ça a l'air facile. Voilà, je sais pas pourquoi, mais ça m'a pas l'air si compliqué que ça. Hop, là il te faut quoi? Attends, ça ressemble à quoi l'orange? Il faut une orange avec un melon à côté. Bah alors c'est pas ça, dans ce cas. Voilà, une orange avec une pomme à côté. Mais le cul de la pomme, bah il y a ça. Il faut
Ah, deux bananes, ça ne marche pas ça, deux bananes au même endroit. Du coup, abandon. Je vais plutôt mettre celle-là, de pomme. Il me faut, bah, par exemple, une orange. Un melon, une orange, bah, on vient de voir que c'était pas très agréable. Donc, plutôt mettre... Oh, on va mettre autre chose, là. Alors, on va plutôt aller chercher la banane, tiens. Voilà. Une banane et une orange à côté. Il y a celle-là, je crois. Voilà. Oh ! Attends. Hé ! Mais elle avait deux... Hé ! Elle avait deux bananes, elle. Hein. Je me suis chié. En plus, c'est la tête de la banane qu'il me faut. À savoir ceci. Voilà. Là, il me faut la tête de la pomme. Et en bas, on s'en fout parce qu'on n'a pas décidé. Donc, si je veux, je peux faire ça. Si je veux, bien sûr. Là, il me faut le corps d'une banane. Avec... Ah, je l'ai pas. Je l'ai pas, donc je vais plutôt prendre cette pomme. Il me faut le corps d'une banane avec un melon à droite. Genre comme ça. Attends. Attends. Attends, on va plutôt réfléchir en mode... Tac, tac, tac. Est-ce que je peux avoir une pomme et une orange? Une tête de pomme et une orange, comme ça par exemple. Non. C'est le mauvais côté. En plus, c'est le cul de l'orange qu'il faut. Elle est là. Celle qu'il me faut. Elle est là. Et sachant que il faut pas que je recrée non plus des melons comme ça. Il y a des têtes de melons que je viens de capter. Hé, mais attends, qu'est-ce qui se passe ici? Mais pourquoi c'est pas respecté, là? Attends, je vais recommencer depuis le début, mais en partant de la gauche, parce que le melon, c'est là où j'ai le plus de chances de me faire avoir. Imaginons que c'est le bon melon. Là, il me faut une tête de pomme. Mais pourquoi tu bouges? Voilà, je mets une tête de pomme. Là, il me faut un cul de banane. Enfin, une tête de banane, plutôt. Non, surtout, ce qu'il me faut, c'est une tête de pomme, ici. Oh là là, c'est une catastrophe, ça. Voilà, mais ça ne colle pas. Sinon, j'ai une tête de pomme ici. Et ça ne colle pas non plus. Y a-t-il une autre tête de pomme quelque part? Oui, ici. Ça ne colle toujours pas. Putain, y a que ça. Et là, ça ne colle pas. Donc ici, c'était pas bon. Donc je vais mettre la tête de pomme plutôt comme... tête de pomme melon. Ça a l'air plutôt cool, ça. Voilà. Voilà, là, pour l'instant, les quatre, là, ils sont bien. C'est pas mal, ça. Et on va bloquer pour la suite, hein. On va bloquer ici, là. Les deux bananes qui sont collées, ça va bloquer. Je considère que c'était pas le bon. Hop, je vais plutôt me mettre comme ça. Je voudrais un cul de pomme. Exemple, comme ça. Ouais, c'est sur le coup de bol, en fait, qu'il va falloir que je tombe. Une pomme qui offre une orange. Sur sa gauche. Il n'y en a pas, donc ce n'est pas possible. Des culs de pommes, il n'y en a pas un milliard. Hein. Oh, c'est aussi une orange. Mec, tu casses les couilles, là. Bon, alors, on va plutôt mettre une banane vers le haut. Non, vraiment. Plutôt un melon, voilà, comme on a fait tout à l'heure. Ouais, un melon, ça, c'est pas mal. Là, Ouais, j'aime bien ce qui se passe. Ah, bah tiens, on va continuer dans ce sens-là. Il faut obligatoirement un cul de pomme. Par exemple, sinon, il y avait celui-là aussi, là-haut. Oh, bah, oh, il s'intègre trop bien. Attends, non, mais non, là-haut, ça matche pas. Bah, attends, je suis en train de faire n'importe quoi. Réfléchis. Bah, c'est bon. Ah bah c'est bon, j'ai réussi. Vérifions ça tout de suite. Bon, bah GG. J'en étais sûr. C'était parfaitement maîtrisé ce que je voulais faire. 80 picarates, ça fait beaucoup quand même. Ouais, elle m'a pas trop résisté l'énigme, ça va. Ouais, on va essayer de la résoudre, j'ai peur. 90! Pas 99, 90! Oh non, putain, non!
Non! Non! Ah! Vous l'avez peut-être déjà franchi à deux reprises, mais cette fois, vous ne passerez pas cette porte. Une fois de plus, vous êtes... Non! Non! Non, je veux pas! Je vomis! Ah! Blablab. Oh non, c'est dégueulasse! Ah, le pâté! J'ai vomi du pâté, il y en a partout, c'est vraiment dégueu! Non! Oh, j'ai gerbé. J'ai des frissons et tout. Ah, c'est dégueulasse. J'ai des gros blocs carrés là que je bouge depuis tout à l'heure. Comment je pourrais bien les emboîter? Oh putain, je suis en train de faire n'importe quoi. Je réfléchis plus à ce que je fais. Que les déplacer depuis tout à l'heure, hein. En fait, Layton, tu gênes de ouf, là. Tu l'empêches de sortir, lui. Je m'en rends compte. Tu es problématique, Layton, là. C'est pas bien. Thank you.
je ne peux rien faire de plus. Mais comment je peux l'amener en bas, lui, le rouge? Parce qu'ils sont tous... cons. Ah, bon, j'ai besoin d'amener un truc d'angle là-haut, en fait. C'est pas lui que je dois bloquer, c'est un truc comme ça que je dois bloquer là-haut. Oui, j'ai même... Et alors, comment je vais faire mon coup? Oh, regarde, j'ai réussi à le libérer. Incroyable, ça. Mais alors, tout est bloqué, par contre. C'est très frustrant de te sentir dans ta main que quand tu cliques, ça ne bouge pas. Ça serait faire n'importe quoi, ça. Trop tôt pour le sortir, lui. Merci Loxica660 qui a sub en prime à l'instant. Pour la première fois de toute sa vie, bienvenue. Personnellement, j'ai jamais réussi cette énigme. Je crois que personnellement, je n'arriverai jamais non plus à la finir. De manière personnelle, hein, évidemment. On va aller faire un petit tour du côté des indices, juste par curiosité, je pense. C'est quand même très très agaçant. La solution implique trop de déplacements pour qu'ils soient tous détaillés dans les indices. Commencez par faire quelques essais et réfléchissez aux possibilités qui s'offrent à vous. Oh non, ça c'est le genre de message qui dit qu'ils vont pas m'aider en fait. Réfléchissez par faire quelques essais, réfléchissez aux possibilités qui s'offrent à vous. Remarquez, merci Malouga, m'a donné la solution si je clique dessus. Remarquez la forme de la pièce rouge comme dans les lignes précédentes. Cette pièce tout en longueur joue un rôle. Ouais, c'est la pièce rouge, c'est celle qu'il faut que je sorte de cet endroit. Vous voyez la petite pièce rose, vous devez trouver un moyen de l'amener tout en bas au niveau de Luke et du professeur Layton. Pour ce faire, vous n'avez pas besoin de déplacer la pièce turquoise ni la pièce rouge. Ah ouais, bon, on va tout recommencer. Ni la turquoise. La turquoise. Ni la rouge. La turquoise. Ah oui, la turquoise, d'accord. On va essayer de l'amener petit à petit. Ni la turquoise ni la rouge, ils m'ont dit. Ah mais mec, comment j'ai... Attends, moi déjà je peux amener ça tout en bas sans bouger la turquoise et la rouge. D'accord. Si tu le dis. Bon, tu l'as peut-être dit, effectivement, oui. Avez-vous réussi à amener la pièce rose tout en bas? Vous devriez maintenant pouvoir faire glisser la pièce rouge vers le centre et placer la pièce turquoise tout en haut. Oh. Putain de merde! Ce que j'essayais de faire en 200 coups tout à l'heure, je viens de le faire en 25 coups, là, maintenant. Oh là là. Voilà, ramener ensuite la pièce rouge à son emplacement initial.
La pièce turquoise se trouve tout en haut et la pièce rouge juste en dessous. Votre prochain objectif consiste à inverser la position de la pièce rouge et celle de Luke Layton. Déplacez les pièces jusqu'à ce que vous obteniez cette configuration, puis déplacez Luke Layton vers le haut. Ne vous découragez pas, d'accord. Donc lui, à la place de lui, hein, tu m'as dit. Attends. Je vais essayer de tricher un peu comme ça. Toi, je vais t'amener là. Là, il m'en faudrait un bleu. Attends. Comment je peux les inverser, là? Oh, bah tiens, je peux même tricher un peu plus. Venir là. Attends, tu m'as dit de inverser la rouge et Layton. Mais il faut que je laisse vachement de la place pour qu'il passe la rouge. Maintenant que j'y pense. Faut pas que je me mette là, moi. Tiens, on va faire un beau carré, là. C'est quand même très embêtant, ça. Elle passera jamais, ça. J'ai fait exactement... J'ai juste inversé les pièces, là. Mais c'est exactement ce que je faisais avant. Putain, ça bloque. Ah, c'est bon? Ah, c'est pas bon. Ah, c'est bon? C'est pas bon, merde. C'est bon? Ah non, c'est pas bon. Merci Kertas pour le subprime. Pour la première fois de toute sa vie, bienvenue. Je me doute que je peux l'avoir, là, je suis pas loin, mais... Faut juste la faire descendre, mais... Ça veut... Ouais, et encore que je la fais descendre, mais il faut la descendre encore d'un cran. Ou alors la remplacer par la bleue, de manière à ce que la bleue vienne se mettre là. Mmh.
Mais je reviens même. Attendez 2 secondes. 2 petites secondes. 2 petites secondes. Non, vraiment 2 petites secondes, vite fait, pas plus. Hein. 2 secondes, 2 secondes. 2 secondes. Attendez, je regarde vite fait un petit truc, 2 secondes. Vite fait, hein. Ah merde, attends, non, t'as rien vu, hein, t'as rien vu, t'inquiète, t'as rien vu du tout. 2 secondes, hein. Hop là, 2 secondes. Non, parce que j'ai reçu un message important, c'est pour ça. Je... Non, non, t'inquiète, hop là, t'inquiète, t'inquiète. Alors, du coup, comment, comment on va faire, alors, pour un... C'est vraiment compliqué, cette histoire, hein. Je me demande si je devrais pas amener le rouge tout en bas, vraiment. Ouais, peut-être que oui, ce serait comme ça. Alors, comment on va faire? Ouais, ouais, d'accord, ok. Imaginons que... Ouais. Compliqué, cette histoire. Alors, attends. 2 secondes. Bouge pas. Je réfléchis à... J'ai peut-être une idée, mais il faudrait que je recommence depuis le début, tu vois. Ouais, un peu compliqué ça. Imagine si je fais ça. Imagine si après je commence à faire des trucs. Là ! Oh là là, je viens d'avoir une idée de ouf là. Est-ce que ça peut me permettre de faire ça ? C'est pas mal ça. Oh, c'est bien ce que je fais là. Je suis très très fort. Ouais, ouais, c'est pas mal ça. Ouais, imagine si je fais ça comme ça. Ça comme ça. Oh, alors là, si j'arrive à bloquer Professeur Layton en bas à droite, ah, bah c'est ce que je viens de faire du coup. C'est impeccable. Oh là là, je suis un monstre. Je suis trop fort. Pom pom pom. Ouais, ouais, ouais. On n'est pas des gros monstres, nous. Pof, pof, pof. Tiens, moi, il m'avait dit l'indice. Remets-le à la place. Mec, je ne fais que ce que tu me dis de faire. Y a pas de souci. Hop là. Hop là. Ça, je le mets là. C'est quoi, Layton, je vais le monter, pas du tout en fait, je vais le bloquer avec la barre comme ça. Hop, ça je vais le bloquer là-haut, hop. Ça commence à être pas mal cette histoire là, ça commence à être pas mal du tout même. Pas mal, pas mal. Tac, tac, ouais, ouais, c'est bien, c'est bien. Hop là, qu'est-ce qu'il y a? Ben, il y a que j'ai fait la ligne du bas. Et ça, c'est très puissant. Il n'y en a pas beaucoup des gens qui peuvent se vanter de l'avoir réussi, celle-là. Oh, attendez, qu'est-ce qui se passe là, si je fais ça et si je fais... C'est et énorme, voilà ma putain. Oh là là, j'en ai marre d'être trop fort, putain. Je suis rassuré. Trop dur la vie quand t'es un monstre. Oh là là, trop fort. Let's go. Bon, du coup, je l'ai faite facilement, celle-là. Elle était pas très compliquée, cette énigme. Mesdames et messieurs, nous reste la dernière énigme officielle du jeu. Officiellement officielle, la dernière. Et c'est l'énigme du voyage dans le temps. Je sens qu'il va y avoir des calculs. Il va y avoir des calculs de je sais pas quoi à faire, là. Merci, Jace Now. C'est dur à dire, ça. Jace Now. Jace Now, qui a sub pour son 10e mois. Salut Farod, je passe une bonne soirée. Comme d'habitude, PS, je suis celui qui devait passer son examen de... préparateur en pharmacie, malheureusement, n'est pas réussi. Je dois recommencer un an. Ah merde! Alors, bon courage. La prochaine fois sera la bonne, j'en suis sûr. Hein. Allez, 99 picarats pour la beauté. 90, ils osent plus faire 99. Ça leur fait peur, hein, les énigmes à 99, j'ai l'impression. Mais frère, c'est pas des énigmes, ça, c'est des jeux, c'est des jeux manuels. Putain! Ils sont où les trucs de calcul là? Non, je suis déçu. Je vais zoomer un petit peu vu que je suis loin de la caméra. Voici le mécanisme de mise en route de la machine à voyager dans le temps.
Celle-ci comporte un système de sécurité complexe censé prévenir tout accident. Assemblez les pièces pour former un carré dont le centre est la sphère rouge. La sphère doit se trouver à son emplacement initial indiqué ci-dessous. Attends, quoi ? Assemblez les pièces pour former un carré dont le centre est la sphère rouge. La sphère doit se trouver à son emplacement initial. Oui, là, indiqué ci-dessous. D'accord. J'ai très peur. Ah mon dieu, qu'est-ce que j'ai peur de celle-là. Et c'est quoi l'histoire des boules bleues, là ? Et les boules jaunes ? C'est ça qui doit former des carrés, puisqu'il y en a 4 et 4 à chaque fois. Ça m'a l'air très chiant. Mais ça m'a l'air pas du tout amusant, en fait. Cette histoire-là. Ah, mais on va pas du tout passer un bon moment, en fait. Ah, d'accord, je note, alors. Oh là 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 là, ça a l'air affreux. Oh non, ça a l'air terriblement chiant. Oh, je ne passe pas de bon moment actuellement, non. Bah attends, des carrés. Avec quoi les carrés? Un carré? Assembler les pièces pour former un carré? Mais à quel moment avec une forme pareille? Avec cette forme-là, t'as un carré. Assembler les pièces pour former un carré dans le centre et la sphère. Et la sphère, elle est au milieu. Je veux bien avoir plus d'infos là par rapport au carré, si quelqu'un dans le chat le sait. Le coup du carré, qu'est-ce qu'ils entendent par carré? Perso, j'ai rien compris, MDR. Peut-être qu'un indice va nous donner un indice. Réfléchissez à la façon dont vous pouvez utiliser les pièces pour former un carré avant de commencer à les déplacer. Vous n'irez pas bien loin si vous ne planifiez pas vos trucs à l'avance. Ouais, mais j'ai pas compris ce que tu voulais dire par carré. Je vois bien les 4 boules bleues qui vont faire des angles et les 4 boules jaunes qui vont faire des angles. Des carrés. Les ronds bleus sont les milieux des côtés du carré. Et les ronds jaunes, ce sont les angles. Ah. Tu as la démarcation au centre. Alors ça... Non. Alors l'idée des angles sont les points jaunes et les milieux sont les bleus, ça j'aime bien. Parce que du coup, lui, je sais complètement où il va se placer, lui. Lui, il va se placer... Ah ben non. Il peut se placer tout en haut comme tout en bas, en fait. Et peut-être même qu'il va se placer tout en haut, en fait. Il faut que je dégage ça. Mon dieu, j'ai aucune marge de manœuvre. Ah si, en fait, un peu quand même. Oh là là, tu peux rien bouger dans ce truc. Déjà, je vais le dessiner, moi, mon idée. Il va y avoir... Bon, moi, j'ai dit qu'il y aurait... Il doit y avoir une boule jaune là, une jaune là, une jaune là. Ça fait pas un carré du tout, en fait, ça. Je suis gouré. Tout effacé. Une jaune là, une là... une là, ça fait un très beau carré. Et les bleus, un là, un là, un là, et un là. Et bien pour ce faire, moi j'ai dans l'idée que ça fasse quelque chose comme ça. Avec ça ici, d'accord? Cette pièce là. Elle va venir. Et non, elle peut pas.
Bon, il y aura, j'imagine, un angle comme ça. Un angle comme ça. Aïe. Aïe, tu m'embêtes, toi. Tu m'embêtes fort. Peut-être qu'en fait, tu te mets pas là-haut, toi, tu te mets en bas. Parce que là, on a un angle. Et il est bloqué après. Ah ouais, merde. Non. Est-ce que tu penses que tu peux diminuer un peu la musique? Certains, dont moi, dans le chat, trouvent que ça devient entêtant. Bien sûr. Comme ça, c'est mieux. Entêtant. Alors du coup, hop, il y aura un angle comme ça. Ah mais j'ai supprimé le pont orange. Voilà, avec plaisir. Du coup, lui, il va venir là. Et il va voir, clac, comme ça. Voilà. Muy bien. Lui, la barre comme ça, là, je la vois bien ici. Je vais la faire en plus petit. Hop, 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 hop. La barre comme ça. Ok. Elle, cette barre comme ça, elle va m'embêter. Oh putain. Ah non. Parce que je vais la faire passer. Tac, 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 tac. Tac, 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 tac. Comme ça. Je rappelle qu'il y a la boule rouge obligatoirement au milieu. Et il me manque juste lui, le bleu, là. Attends. C'est pas lui, c'est pas lui. C'est un des deux. Mais lequel j'ai utilisé? J'ai utilisé lui ici. Un angle? Ça ne marche pas du tout. Dans ce cas, j'efface mon idée, qui était celle-là. Et en fait, comment il est? Un angle droit. Un angle droit sur la gauche. Et bien du coup, on va le faire monter là. Voilà, l'angle droit, il va être comme ça. Et l'autre, du coup, il va venir se placer ici. Clac. Oh là là, tu te rends compte de la galère quoi, que ça va nous prendre? Attends, mais il n'y a que 3 pièces dessinées en petit, c'est pas normal ça. Il y a combien de pièces en tout? Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. 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 Ok, 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 ok. Bah, elle est plus difficile à manier. Ça va être elle déjà. Que j'ai dit qu'il fallait que je l'amène en bas, c'est ça? Ouais, il faut que je l'amène en bas. On va aller la cacher. Faut que je fasse de la place et lui, il m'embête fort. Je vais voir si je peux les déplacer comme ça, peut-être. Ah, ça c'est pas mal, ça. C'est pas mal du tout, même. Je vais plus la bloquer comme si ça ne change rien ce que je viens de faire. Hein. Ça change absolument rien. De toute façon, lui, il faut que je l'amène à droite aussi dans tous les cas. Ah, c'est très embêtant ça. Comment je vais faire pour me déplacer tout ça là? Ouais, parce que c'est bien qu'il reste à droite lui un peu.
Elles sont affreuses, ces formes à manier, je te jure. Elles sont vraiment très 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 désagréables. Tu bloques de partout là. Quelle galère c'est pour l'amener en bas lui. Sachant qu'à côté il faudra qu'il y ait toujours lui. Hein. Alors mais elle est très bien là-haut elle. Je te jure que je me sens très insatisfait. Vraiment c'est... Il y a très très peu de choses qui peuvent être bougées. C'est chiant. Je sais pas si tu vois ce que la sensation que j'ai. Je sais pas si tu la t'arrives à la ressentir ou la comprendre. Est-ce que le jeu me donne des indices au fait? Utilisez la fonction note pour marquer la position de chaque pièce. Ouais, c'est ce que j'ai fait. Vous disposez de 4 petites pièces en forme de L. 3 d'entre elles sont utilisées pour former les angles du carré. Je parle de celle-là. Ouais, c'est ce que j'ai fait. D'ailleurs, ça ressemble à quoi à la fin? Ouais, ça forme un giga carré. Oui, c'est ça. Ouais, non. C'est clairement ce qu'il fallait faire. Hein. La pièce en forme de T forme une partie. Partie du côté droit du carré. Le T comme ça, partie du côté droit du carré, c'est ce que j'ai fait. La pièce en forme de S doit être placée au-dessus de la sphère rouge. C'est ce que j'ai fait aussi. Non, bah pour l'instant, oui. Ça, tout ça, j'ai réussi à le faire. La petite pièce en forme de L en bas à gauche doit être placée une case au-dessus de la position initiale. Ah, attends, quoi? Attends, position initiale. Attends. Il m'a dit, la petite pièce en forme de L en bas à gauche doit être placée une case au-dessus de sa position initiale. Oui, c'est exactement ce que j'avais imaginé. Le L doit être placé juste au-dessus. La grande pièce en forme de L vient se placer juste en dessous pour former la partie inférieure gauche du carré. Le grand L, ouais, c'est ça. Le grand L. D'accord, en fait, les indices, c'était juste me dire ce que j'ai dessiné, en fait. Super. Trop deg. J'ai super chaud. J'ai trop. Non, c'est trop. C'est trop. Peggy 7, hein, moi à 7 ans je l'explose ma Nintendo DS là en fait. Hein. Il y a tellement pas beaucoup de choses qui sont possibles à faire.
Elles sont tellement grandes les pièces qu'elles se bloquent tellement toutes entre elles. Le L, le T, ils prennent tellement de place, lui aussi indirectement. Mais encore que lui, il est dans un endroit où il peut être bien calé. Et le problème c'est que là... Ça sert à rien parce que là c'est bloqué dans tous les cas. Waouh, mais c'est pas possible en fait. Oh putain de merde, ça me rend fou. Oh putain. Oh, quelle satisfaction de l'avoir bloqué, lui. Attends, faut pas que j'aille trop loin. Bon, lui, il est placé exactement là où je voulais, hein, c'est génial. On va le placer là en attendant. Tout est bloqué. Absolument plus rien ne peut bouger. Tu te rends compte que cet angle-là, il doit aller là. Mais jamais il passe. Jamais il passe. Lui là, l'angle là. Ça commence à ressembler à quelque chose de sympa là, ce qu'on voit. Ça commence à être joli.
Putain, et maintenant c'est lui qui va m'embêter parce que je sais pas comment le placer lui. Je vais pas les faire tourner sur eux-mêmes quand même. Et puis rien qui bouge là. Pardon. Ouais, j'ai jamais pu autant bien déplacer la boule. Mais quoique. J'ai peur que la boule soit bloquée, putain. Oh putain, la boule, comment je la ramène au milieu? Je vais te créer le carré. Je te crée le carré quand tu veux. Je l'ai vu venir gros comme une maison. J'étais en train de me dire, mais attends, la boule, elle bouge jamais. C'est pas normal. Il va y avoir un problème à un moment donné. Non, attends, il y a moyen. Et non, il n'y a pas moyen, parce que la boule, dès qu'elle prend cet emplacement, ça me ruine tout le reste, en fait. Oh, putain. Attends. Et non, mais attends, mais comment je te place ça? Comme ça? Ah, attends. Mais c'est bon? Oh, mon dieu, c'est bon, putain. Et voilà ma réponse. Et encore, je n'ai pas triché. Et je ne suis pas allé regarder la solution. Pas du coup. Oh. Oh là 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 là. Vous avez résolu l'ensemble des énigmes du jeu, félicitations. N'hésitez pas à visiter la rubrique. Oh là 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 là. Félicitations, profitez bien. Oh là 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 là. Pff, j'ai chaud. Vas-y, sauvegarde donc. Et on devrait avoir la tête de Luc en doré, c'est ça? Non, pas débuter. Je reviens en arrière. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Continuez. Ah non, on a la tête de Flora. En doré. Oh putain, j'entends la litière de super fort. Bon. Oh, bon. On l'a fait. C'était pas très honnête. Il y a eu 3, 4, 5, voire 15 moments de légère triche, mais on l'a fait. On a terminé à 100% professeur Layton. Et le destin perdu, c'était le combien? Le troisième? On a fait les trois d'affilée là? Oh là là. Peut-être que je vais prendre une pause là. Peut-être que la semaine prochaine, on va peut-être pas avoir de suite du professeur Layton parce que là, ça a commencé à être chaud, mais ouais, chaud. Ouh. Incroyable. Merci LuluStar83 qui vient à l'instant d'envoyer 1000 bits, c'est vraiment très généreux de ta part. Merci beaucoup. Merci beaucoup, ouais. Bon. Eh bien écoutez, on a terminé à 23h45, donc ça m'a pris officiellement 3 heures d'enregistrement. Ah, plus long que ce que je pensais, mais elles sont difficiles les dernières énigmes. Elles sont pas simples. Eh bien voilà, mesdames et messieurs, ceci conclura le live de ce soir. Effectivement, vous avez raison de dire au revoir à YouTube, puisque c'est la fin de la rediffusion. Au revoir YouTube, et merci.